Bonsoir à tous, Merci. bienvenue sur la chaîne euh, Tolkien Deal, Association de Tolkien Deal, donc sur une association euh, qui cherche à promouvoir et à partager l'univers, le légendaire et aussi les travaux de John, euh, John Ronald Reuel Tolkien, écrivain anglais et auteur du Seigneur des Anneaux. On va parler ce soir, euh, on va débriefer ce soir des deux épisodes euh, sortis hier matin euh, de la série Ring of Powers ou à notre pouvoir, et pour ce faire, je serai accompagné de Druss, Bergelmir et Arena qui se sont déjà présentés et que vous avez déjà entendu. Sur ce, euh, pour parler de la série, on va faire ainsi d'abord, on va faire une partie plutôt impression, sans spoil on va essayer de, de s'y limiter, raconter plutôt ce qu'il y a autour et ce qu'on savait via les articles avant d'attaquer euh, le cœur du sujet, et on passera à une partie un peu plus spoil où il y aura carrément des images. Euh, des euh, de la série euh, donc euh, si vous ne l'avez pas vu à ce moment-là je vous enfin si vous voulez partir je vous en prie même si on aimerait que vous restiez euh, et euh, et puis voilà donc on est parti sur deux épisodes sortis hier, hier matin avec notamment donc sur Galadriel euh, elfe légendaire dans le légendaire de Tolkien euh, qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux qu'on a quand même une bonne partie dans le dans les Contes et Légendes Perdus aussi dans euh, le Silmarillon, euh, dans les Contes et les Jeunes pardon, merci Drus, euh, et euh, qui se lance dans une quête vengeresse pour aller traquer euh, Sauron, euh, dont on va parler plus tard, euh, qui a réussi à faire un, trend un trending Twitter en à peine euh, 3 secondes d'apparition. Euh, et, et en se faisant, elle va lancer d'autres intrigues, plus ou moins secondaires, des fois complètement détachées, euh, et euh, ainsi, on, va, on peut la suivre, on va aussi suivre d'autres personnages qui évoquent plus ou moins l'univers de Tolkien. Alors là, je vais vous demander, avant de finir, et après je, je donnerai mon impression à moi, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux épisodes Est-ce que, Arena, tu veux prendre la parole en première, s'il te plaît Alors moi, au anyway niveau de la série, j'attendais beaucoup de ces premiers épisodes parce que j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner, en somme. Que tout ce qui était niveau adaptation etc euh, j'étais assez positive malgré toutes les tendances qu'il y a pu y avoir parce que je prends ça pour ce que c'est c'est une adaptation, j'ai hâte de voir et pour les premiers épisodes j'ai quand même hâte de voir la suite j'ai été euh, agréablement surpris on va dire, après c'est vrai que c'est les premiers épisodes ça va mettre du temps à se mettre en place mais pour l'instant ça reste positif de mon côté en tout cas. mère Oui bah pareil moi j'ai passé un bon moment euh, on sait depuis longtemps que on va pas regarder une adaptation d'une œuvre de Tolkien et une fanfiction qui se déroule dans l'univers de Tolkien. À partir de là, euh, si on arrive à se détacher du légendaire, euh, qu'on euh, prend ce qu'il y a de bon et qu'on laisse de côté ce qu'il y a de moins bon, bah écoute, moi j'ai passé un très bon moment pour les deux épisodes, donc euh, pour l'instant, euh, plutôt euh, agréablement surpris également. Et toi Dross, du coup un avis mitigé. Euh, le premier épisode, ça allait à peu près. Le deuxième, euh, je me suis un peu plus ennuyé pour, euh, pour le dire simplement. Euh, le, la seule chose que, que je pourrais dire, c'est que comparé au premier film du Hobbit où j'ai failli quitter la salle du ciné, euh, j'ai réussi à tenir. Donc il y a un mieux. Et je dirai sans doute pourquoi un peu plus tard. Mais ouais, très, très mitigé comme. Euh, comme premier visionnage. Alors je voulais les re-regarder avant le, le live cet après-midi, j'ai pas eu le temps, mais bon, à voir si au deuxième, à la deuxième vision, ça, ça sera mieux, mais ouais, j'en doute. D'accord. Euh, du coup, moi ça a quand même été, je les ai regardés à 6 heures du matin, euh, je me suis tôt quand même. J'avais, alors c'est très beau, hein, visuellement ça ça claque quand même pas mal. Euh, après il y a des quelques détails dont on va revenir je pense qu'ils m'ont fait tiquer quand même assez assez, assez sévèrement mais dans l'ensemble j'étais je pense comme Arena et comme euh, et comme Bergen. même s'il y a pas mal de choses qui m'ont fait tiquer en fait à, au second visionnage mais en vrai ça reste quand même une bonne entrée euh, une bonne entrée dans la dans la, oui, dans, la dans une version de la terre du milieu ça, ça, dans une version de la terre du milieu ça, ça reste une, une, une entrée plutôt pas mal euh, donc, euh, pour résumer cet épisode 1, on est quand même sur euh, essentiellement euh, Galadriel qui euh, a perdu son frère Finrod, fin, qui raconte l'arrivée des elfes, enfin le retour des elfes en Terre du Milieu, parce qu'on parle d'un retour et pas et pas, et pas et pas d'une et pas d'une arrivée, d'un retour en Terre du Milieu avec euh, euh, toute la guerre contre Morgoth qui est quand même assez rapide. Là, on va commencer à spoiler, au fait. Hein. On va commencer à spoiler, on va parler des épisodes. Pardon. C'est bien de le préciser. Ouais, ça va arriver très vite. On commence à spoiler. Euh, donc, attention à ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, donc. Bah, de, de toute façon, cette partie-là, elle peut pas être beaucoup plus développée euh, que, que ce qu'ils ont proposé, étant donné que. Ils n'ont pas les droits. Il se... bah, voilà, ils s'arrêtent sur ce qui en est dit dans les, dans les appendices. Alors, euh... Si on regarde, hein, j'ai fait le compte à peu près, on est sur euh, allez, une trentaine, quarantaine de lignes de, euh, de texte sur l'appendice A. Donc, euh, factuellement, c'est difficile de faire mieux que ce qu'ils ont proposé. Et je trouve que déjà, en, en l'espace de quelques minutes, euh, je trouve que même quelqu'un qui n'a pas lu les appendices, qui n'a pas lu le, le Silmarillion, euh, arrive quand même à, à choper un peu le. le Disons les, les, les grandes lignes de ce qui va se passer sur, euh, sur la série. Alors, pour parler Maintenant. sur ces grandes lignes, je vais vous présenter quelques images euh, dessus. Parce que du coup, on, comme ça, on aura un petit support visuel. Et ce sera plutôt pas mal. Donc là, on a. Pardon, c'est pas le bon diaporama. Voilà. On a. C'est pas la bonne image. C'est la bonne image. On a les arbres de Valinor. Qui sont quand même. Assez bien fait, je trouve, même si on voit plus euh, l'orélion euh, que... l'oréline euh, que Telperion, pardon. Euh, et en fait, c'est quand même le cœur de Valinor, c'est le cœur de la lumière. Euh, même si on n'en voit pas en réalité grand-chose de Valinor, on voit juste la grande cité euh, qui est à côté. Et, et c'est la cité, du coup, de Tyrion. oui a priori. Ouais, c'est Tyrion, du coup. On a juste la cité de Tyrion et on a quand même... Euh, de la On a beaucoup de lumière sur ces, premières, sur ces premiers épisodes, avec des elfes qui jouent, des enfants elfes qui jouent, notamment qui s'amusent à euh, faire couler le bateau euh, de la jeune Galadriel, enfin le bateau en papier euh, qui montre déjà les talents euh, de, la jeune, euh, de la jeune elfe. Et moi, ça m'a semblé, comme... enfin ça m'a pas sorti, mais c'était quand même un peu bizarre de voir des elfes s'amuser à être méchants pour le coup. Surtout que euh, le, la phrase de la série euh, commence avec rien n'est mauvais à l'origine. On parle d'enfants, on parle de l'innocence et de la pureté incarnée. Et on commence sur un acte déjà de méchanceté. Je trouvais ça un peu bizarre. Enfin, je trouvais ça un contre-ton dans, euh, dans 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 l'ouverture ouais, d'épisode. C'est pas ce qui m'a choqué le plus, moi. Mais... C'est pas choquant. C'est juste, c'est un peu un, un ton un peu un ton un peu différent. Après, on arrive sur l'arrivée de. De Finrod Felagund, dont on parlera un peu plus tard, ou juste Finrod, frère de Galadriel, donc frère du, enfin, fils d'un second mariage euh, de Finwë, euh, dont on parlera plus tard, euh, quand on reviendra sur pourquoi les elfes sont partis, euh, et euh, qui, lui, explique, enfin, qui euh, lui donne des phrases de euh, sagesse sur euh, la, les ténèbres, la lumière, euh, savoir s'il faut choisir l'un ou l'autre. Et Galadriel a déjà de la répartie et ça j'avais trouvé ça pas mal c'est que elle a déjà pas mal de réparties ensuite on euh, voit vas-y 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 vas bah, bah je, si on peut se permettre parce que du coup as, Nous, bien as sûr. Beaucoup, tu as beaucoup oui pardon <laughs> euh, moi ce qui, par rapport à ce que tu disais sur le fait que les enfants elfes jouent ensemble euh, a priori il enfin, n'y a, a pas de enfin, moi ça m'a pas choqué hein, les, gens, les enfants si on considère les enfants humains en, en, entre eux, euh, bon, voilà il y a toujours des, euh, des petites embrouilles ça c'est pas gênant moi, ce qui m'a plus euh, gêné dans tout ça, c'est qu'a priori, il euh, n'y a pas d'adultes autour. Euh, et on parle d'une euh, reine, enfin, en devenir. Euh, Gadriel, ce n'est pas n'importe qui. A priori, euh, si on considère une royauté comme, comme n'importe laquelle, c'est une, une personne qui devrait être protégée, donc euh, être entourée d'adultes à tout bout de champ, en tout cas, mais surtout pas être la, la cible de, de ce genre de c'est pas dans l'acte en lui-même que, que je trouve gênant, c'est que l'acte en lui-même soit ciblé sur Galadriel parce qu'a priori c'est euh, quand même une fille de, de roi dans un sens donc euh, personne, n'importe qui euh, se permettrait de, 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 de faire ça en, en toute logique Arena, toi t'en as pensé quoi sur ces premières, euh, premières images euh toute, petite, toute petite parenthèse c'est un tout petit peu ton son si tu peux Ouais. Parce que les gens t'entendent un tout petit peu au-dessus de nous, donc c'est tout. Mais voilà, ouais, c'est tout. Euh, moi, personnellement, alors je te rejoins un petit peu sur les enfants elfes, dans le sens où il me semblait avoir lu que même enfants les elfes sont, font preuve d'une grande maturité. Mais ça m'a pas plus surpris que ça non plus. Euh, venant d'enfant, ça ne me surprend pas non plus qu'il y ait des railleries, etc. Euh, après, le fait que Galadriel soit isolée des autres, euh, bon, ça fait un peu enfant martyr dès le début. Je sais pas si je trouvais ça vraiment pertinent, mais enfin, ça n'a absolument pas changé. Ok, en tout cas pour le début, euh, c'est approprié. Je veux dire, c'est un choix scénaristique et ça ne me choque pas du tout. Ok. Euh... Bergalmire, tu aurais quelque chose à ajouter sur ces premières images, euh, sur les enfants elfes, euh, sur Tyrion et... et les deux arbres non. Non, Je suis assez d'accord sur le fait que les enfants, ce pas de la méchanceté, c'est des gamins qui jouent, c'est-à-dire que les gamins peuvent être euh, cruels sans le vouloir. Euh, donc non, non, moi je trouve ça assez cohérent. Euh... Dans les cours d'école, je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui sont euh, qui ont un peu de cruauté sans le vouloir. Donc non non je trouve ça ça ne gêne pas du tout. Ok. Euh, du coup on va passer à l'image suivante, qui est toujours une image des deux arbres, mais euh, qui les présente en train de, sont, de mourir. Euh, Est-ce que euh, quelqu'un se sent de raconter l'épisode de comment les deux arbres sont morts? Parce qu'il est quand même assez, il est quand même assez passé sous la trappe cet épisode, alors qu'il est quand même... dans, dans le Silmarillion ou ouais, dans le Silmarillion. Présenté dans la... ah, dans la Silmarillion. Dans le Silmarillion, c'est euh, Morgoth euh, allié à Ungoliant qui euh, qui va faire en sorte que les arbres soient tués. Alors euh, par, euh, alors ça fait quelques mois que j'ai pas relu le Silmarillion, mais de mémoire, euh, Ungoliant qui euh, qui aspire la, la lumière des arbres en fait, hein, basiquement. Euh, D'ailleurs, euh, là, il n'y a pas de notion d'angoliant dans la série. Euh, on, voit, on voit, on distingue Morgoth dans la brume derrière, comme une sorte de géant, un chevalier géant qui apparaîtrait derrière. Euh, et puis, on, on a une sensation d'une sève, sève noire un peu, qui, qui attaque plutôt les arbres que plutôt qui plutôt l'idée que ce soit leur leur pouvoir qui est aspiré vers l'extérieur euh, puis ensuite on voit cette image du bah, pays de Valinor autour euh, complètement désolé ça c'est un truc qui m'a un peu gêné parce que euh, parce que ça laisse un peu la sensation que finalement ce pays là il est complètement euh, bah, complètement ravagé après euh, après le passage de Morgos or c'est pas le cas dans, dans le livre hein, euh, il n'y a vraiment que la zone des arbres, qui, euh, qui, bah, les arbres eux-mêmes en fait, qui sont, euh, qui sont attaqués et, euh, et qui ensuite toujours sont encore suffisamment en vie pour donner euh, des fruits qui vont donner le soleil et la lune. Or là, bah, clairement on n'a pas cette idée, cette idée de soleil et de lune, puisqu'en en fait on voit les arbres, mais euh, j'ai un peu l'impression euh, qu'ils sont... enfin euh, qui sont illuminés aussi par le soleil et la lune par-dessus. au -dessus. Euh, que euh, ils ont voulu faire croire, hein. en tout cas, euh, donner la sensation que le Valinor est complètement ravagé, alors que pour autant, plus tard dans la série, on comprend que les elfes retournent quand même en Valinor. Bon, il y avait quelque chose un peu, euh, un petit peu, euh, un, ouais, particulier ici que j'ai pas, euh, pas le, bon, c est, c est je suis pas sûr d'avoir bien compris l'enjeu, mais bon, c'est vraiment. propre. avec quoi. Drus Mais j'ai bien aimé quand même sur cette scène le, la contre-plongée qu'on a où on monte euh, sur les arbres et où on voit en fait, c'est suggéré, parce que du coup on ne parle pas du tout de, de l'empoisonnement de la sève par une goliante, mais du coup je trouve que cette contre-plongée qui suit l'arbre, là, bon alors l'arbre a l'air d'être euh, brûlé, mais, mais quand on a lu les livres, on, on... je trouve que c'est assez bien suggéré l'idée que une goliante a empoisonné les arbres et que du coup ça impacte la sève. Par contre je suis d'accord avec Dross sur le fait que dans l'ensemble... Su... Au niveau de la scène, techniquement, visuellement sur les arbres, je la trouve assez réussie. Mais c'est vrai que sur l'ambiance autour, il, y a, il y a, voilà, je pense qu'ils ont un peu laissé ça de côté et c'est un petit peu dommage. Alors pour la non présence d'une goliante euh, dans, la, dans la séquence où justement on voit euh, les arbres brûlés, enfin brûler entre guillemets, il y a un peu, il, y a, il, y a, il semble y avoir des trucs comme des fils d'araignées, des fils blancs qui sont entourer les arbres. Donc est-ce que c'est mention goliante ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas vu ça, mais ok. Très bien. Alors, du coup, les arbres sont brûlés, Valinor est sous les ténèbres et c'est assez compliqué euh, pour, euh, pour les elfes qui décident de euh, partir en guerre sur une image qui nous rappelle euh, la couverture du Silmarion. C'est littéralement la même chose. Euh, sortie. Euh, L'année dernière et cette fois-ci sortie en poche. Euh, cette. Euh, bah, hier. Arena, je crois que c'était hier, c'est ça C'est pas sorti en poche, c'était il y a deux jours. C'était mais... <laughs> il y a deux jours, pardon. C'est C'est un, un, un format broché. Et donc là, on est plutôt sur une image qui est quand même assez évocatrice. Des euh, elfes qui partent. J'aime beaucoup le ciel qui se divise aussi à ce niveau-là. Voilà, merci Arena. Avec toute cette flotte d'elfes. Euh, donc, qui sont guidés par le. Par une partie par le serment de Fëanor, qui les emmène en le terre du milieu. Euh, Fëanor dont on reparlera plus tard quand on verra son descendant. Euh... Bon, il n'y a pas grand chose à, y dire, y a pas grand chose vois, à dire à part que c'est, mmh. à part que c'est iconi... enfin, quand on connaît Tolkien, c'est une... enfin, quand on connaît les, les illustrations sur Tolkien, euh, l'iconicité de l'image, euh, elle est quand même assez marquée. Ouais. Alors, par, Je... par contre, Gadriel euh, arrive, mort tout de suite son récit, tout de suite vers la guerre. Euh, donc on voit euh, les dragons. On voit les dragons. Dragons volants déjà Alors que normalement, ils auraient été plutôt dragons rampants. La euh, question... Non, Non, à la fin de la, non, dans la guerre bon, de la colère, c'est justement oui, oui. là où les... où les dragons commencent à voler. Bah, et puis c'est les seuls qui, dont ils ont les droits aussi. Ils ne peuvent pas parler de, de, de dragons euh, sans elles. Non pas dans le dans D'accord. Et le Hobbit. On, euh... On note d'ailleurs qu'au niveau de l'image, ça ressemble énormément au Fel Beast euh, que monte Nazgul dans la version de Peter Jackson. Mmh. Oui, oui. Euh, beaucoup. Ouais, le rappel est évident. Beaucoup d'iconographie mmh. Jacksonienne dans les deux épisodes, en tout cas qui s'y retrouvent vachement. Trop. Trop. Pro, certains plus, diront même, en, même encore plus que de l'iconographie en ce qui me concerne. Bah, c'est euh, carrément euh, du plagiat. On... C est, c est, non, pas du plagiat, mais c'est la lettre aussi de des, voilà, des dialogues qui sont repris euh, presque à la virgule, euh, à un mot près. Enfin, bref, on, on divague. Il ouais, y a deux trois dialogues comme ça qui m'ont fait tilter euh, référence Jackson, mais pour moi, je l'ai pas ressenti énormément la référence Jackson euh, dès le premier il faudra que je recommence, du coup. Mais pour l'instant, euh, pour moi, en tout cas, j'ai pas trop ressenti non plus. Après, dans les dialogues, oui, c'est clairement évident. Mais Donc, en effet, les aigles. Et du coup, ça répond à la question de pourquoi on n'envoie pas euh, directement les aigles en Mordor. Voilà. Ensuite, on arrive sur euh, une séquence de la bataille avec un personnage qui, normalement, n'est pas censé être là <laughs> à savoir Finrod. Euh, donc, euh, est-ce que Bergamion, tu pourrais nous le présenter, ce petit, enfin, ce grand personnage de l'histoire du Beleriand, surtout euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut dire sur Finrod Du coup, c'est le fils de Finarfin, donc euh, la seconde lignée de Finwë due à son remariage. Euh, il est le frère de, de Rodress, euh, d'Angrod, d'Agnor et de Galadriel. Euh, bon, ce qui nous intéresse au niveau de la série, c'est que clairement, ils nous l'ont présenté comme. Euh, le frère aimant, le frère le plus proche de Galadriel, et euh, à partir du, du scénario qu'on a pour l'instant, les, les showrunners ont envie de nous montrer que euh, toute la, la quête de, de, de Galadriel va être basée sur l'envie de vengeance de Finrod, du coup qui est mort. Alors du coup là c'est pas spécialement présenté. Je sais pas si on verra une scène après, mais Finrod il, il meurt à Tolingrot. Euh, C'est assez bien suggéré sur la scène où on le voit mort. Alors, j'en parle parce que je ne sais pas si on la verra après. Il a des énormes lacérations, en fait, euh, comme s'il avait été déchiqueté par les griffes d'un loup ou d'un ours. Et donc, il, il meurt sur l'île de Tolingoroth pour sauver notamment Béhan euh, Et donc, voilà, je ne sais pas si. Euh, je, je, je trouve que c'était pareil. C'est assez bien suggéré, c'est-à-dire qu'on on nous amène Fidoroth. Alors, bon. Indépendamment du scénario, hein, le scénario était assez basique. Galadriel veut venger son frère qui est mort. Voilà, elle cherche le mal, etc. Mais je trouve que la mort de Finrod, en tout cas, euh, est assez bien suggérée puisqu'ils n'ont pas les droits de nouveau, mais puisqu'ils la montrent quand même, et on peut déduire assez facilement ce qui est arrivé à Finrod, donc qui est mort sur l'île de Oui, euh, ouais, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, non, moi du tout, mais. <laughs> Euh, je, juste, je reviens sur une chose que, avec les navires. Là, Il y avait quand même un truc on a pas, dont on n'a pas parlé non plus au niveau droit. C'est quand on regarde la, la carte je, qui. Je la remets comme ça. Tu, tu Non, prends... mais ah, ce n'est oui. pas sur l'image en fait. C'est sur euh, dans la série. En fait, à ce moment-là, il euh, ils font un style Indiana Jones avec la carte qui, euh, qui s'affiche et puis euh, les bateaux. Euh, et puis on traverse la mer et puis on arrive en terre du milieu. Et euh, on arrive sur quelle terre du milieu On arrive sur celle du Seigneur pas sur celle du Beleriand. Ah oui. hein, alors qu'on est quand même encore au premier âge. Hein. Donc voilà, juste pour rec recadrer aussi l'histoire des droits, même au niveau des cartes, euh, le Beleriand n'est pas censé exister. Donc, Finrod, il n'est pas mort euh, à Tolingros, dans le cadre de la série. Ce n'est pas possible. Juste, en, fin, euh, géographiquement, il n'existe pas. Donc il y a une guerre quelque part. Et, euh, et il meurt au sein d'une du, bataille X ou Y entre Morgos et Sauron contre les elfes. Alors, euh... alors, juste pour vous préciser ça, normalement, il meurt après la défaite de Morgos et pendant sa traque de Sauron. Voilà. En gros, il est parti en chasse de Sauron et il meurt là. D'accord. Bon. bon, ça ne change pas grand-chose. C'est que, même si on a l'impression de voir une référence avec des griffures, des loups-garous. Il ne faut pas se mettre en tête que c'est référencé pour, pour du fun service. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Hormis ça, euh, je suis très dubitatif quant à cette, euh, bah, cette raison qu'a Galadriel de parcourir la Terre du Milieu. Euh, c'est pareil. Je ne vois pas euh, au, au rythme de marche d'une elfe. En combien de temps elle va mettre, combien de décennies ou de centaines d'années elle va mettre pour refaire chaque micro centimètre carré de la Terre du Milieu pour retrouver Sauron Je, je, trouve, ça, je trouve ça mal engagé, en fait, comme, comme raison. Il n'y a, a pas de notion de, de politique, il n'y a pas de notion d'alliance de, euh, euh, entre les peuples qui pourrait aider, enfin c'est, euh, voilà, je pars en tête, euh, à gauche, à droite, en terre du milieu, tout ça parce que, euh, soi-disant, en plus, il euh, y a une euh, certaine marque sur le bras de mon frangin euh, mort. Enfin, il y a quelque chose de, de trop facile sur, le, sur, sur cette raison. Enfin, bon, je, je, je pense que ça manque un peu d'imagination sur, euh, sur, ce, sur ce fait. -là. Sur, surtout quand. Je peux on... pas te donner tort, moi, mais sur l'ambiance, sur je trouve que finalement, en fait, ça, tu donnes raison presque à la série comme moi je vois comme ils l'ont amené, c'est-à-dire que alors on est totalement d'accord hein, sur, sur pour le cas de Finrod. Euh, je, je pense que alors je ne savais même pas en fait, je j'avais même pas tilté que l'histoire de Finrod de la série n'était pas celle qu'on connaît. Mais du coup, je pense que cette histoire dans la série est amenée telle qu'elle la définie, et que on peut voir. Enfin, moi, je, personnellement, je vois du fan service au Niveau de la mort de Finrod. Bon. Par contre, mmh. je, alors, je crois qu'on n'a pas vraiment de timeline, mais techniquement, on est au moins au deuxième millénaire du deuxième âge. Donc, ton argument qui consiste à dire que Galadriel va mettre une infinité de temps à parcourir la Terre du Milieu pour une quête qui, là-dessus, je te rejoins totalement, est un peu au voilà, niveau scénaristique, on a fait mieux. Ben finalement, on peut se dire que depuis la guerre de la Grande Colère, ça fait peut-être euh, mille ans qu'elle se balade en Terre du Milieu jusqu'à finir euh, dans le Fordref et qu'au final, ben, ça fait mille ans qu'elle cherche pas grand ch qu'elle cherche et qu'elle trouve pas grand chose. C'est ça justement coup... le problème, c'est qu'en mille ans, tu, tu, tu passes pas mille ans à parcourir une terre euh, sans qu'à un moment tu te dises, euh, ben, j'ai tout fait, il n'y a pas de raison de m'arrêter, il a pas de raison que je continue, je m'arrête. Or là, on apprend à un moment, elle a fini la quête puisque ses, ses suivants euh, en ont assez et veulent rentrer chez eux et non, elle repart bien en tête. Donc dans l'esprit même du personnage, il y a quelque chose qui va pas. Ah, d'accord, si On est, est d'accord. Alors, Arina, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est vrai que ça colle pas forcément trop avec la l'imaginaire qu'on pourrait avoir de Galadriel. Bah, L'aspect très entêté, après, il faut voir s'ils ne l'ont pas forcé dès la, le premier épisode pour faire en sorte qu'il y ait une évolution après. Ah, Mais euh, c'est vrai que ça fait un peu bizarre dès le début d'avoir une Galadriel aussi entêtée, en fait. Dans sa description à euh, mmh. Néa, Néa Rouen euh, alias Galadriel, est quand même une femme de fort caractère. Elle a quand même le deuxième plus gros ego de la Terre du Milieu. Non mais certes, ouais, mais, mais... Faut, faut remettre ça aussi dans un contexte scénaristique. Oui, bien sûr. Non tu mais tu peux pas dire à des gens, Ça fait mille ans que je parcours la Terre à la quête de la vengeance de mon frère. Ça fait un peu bizarre, surtout qu'on dirait qu'en fait. Tout le monde a oublié les elfes, en plus, euh, en, en plus, de, en plus de Sauron, qui, qui ont quand même mis les elfes à cette côté. Moi j'ai trouvé ça, quand, même, quand on va voir le reste. Mais c'est un autre sentiment. Par contre, euh, gros, gros point de détail qui moi m'a manqué et qui je pense fait défaut à beaucoup de séries de fantasy en ce moment, la timeline, le, la chronologie, c'est quand même quelque chose qui est un point majeur dans la fantasy. Euh, là, sur... Je pense qu'ils ont pas le choix, quoi. Bah oui, mais tu peux citer des dates. Au pire, bah tu re... enfin... peux pas, en fait. Bah, bah s'ils ont les s'ils ont, app... eu... ont les appendices, bah s'ils hein. ont les ouais, C'est pas une question d'appendices ou ou de pas les avoir. Là, c'est une question de bah, bah non, c'est une question de plusieurs euh, époques mélangées entre elles. D'accord. C'est-à-dire que, que là, ils ont fait le choix d'avoir des... une douzaine, vingtaine de personnages qui vont évoluer ensemble, que ce soit des nains, des elfes, et des humains, des hobbits par définition, chacun d'entre eux a une durée de vie qui va être euh, la sienne et si on veut les faire tenir dans une chronologie sur cinq saisons telles que c'est fait, euh, si les elfes sont les personnages principaux, bah forcément on va voir disparaître les, euh, les hobbits, les nains et les humains. or là, c'est pas le cas. là, ils veulent faire suivre pendant ces cinq saisons tous ces personnages là ensemble. donc, chronologiquement, ils ont mélangé toutes ces dates ensemble et ils peuvent pas donner de Date. pas ouais, C'est pas comme prêt. dans euh, House of Dragon où on sait que c'est 200 ans avant, mais parce que là, on a affaire à une véritable euh, préquelle avec euh, des personnages définis dans une temporalité définie. Là, on a mélangé toutes les, toutes les lignées, donc forcément, ça peut pas. C'est pas possible. Alors, je vais passer un peu à la suite. Il y a un autre avantage à ne pas avoir donné de date, c'est que du coup, il, il s'en met il mêle moins les pieds, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne donne pas de date, il laisse ce flou, et du coup, scénaristiquement, pour une bonne partie des gens, bah, ça passera, entre guillemets. Alors, ceux qui, évidemment, sont des puristes vont se rendre compte de toutes les, toutes les erreurs qu'il y a, mais pour les gens qui n'ont pas lu les bouquins, finalement, cette espèce de flou qu'ils entretiennent, ça sert à leur scénario. Ouais, ouais, à tort on... ou à raison, c'est autre chose. Un petit peu dans le passé, loin, euh, on ne sait pas trop, mais. Euh, du coup, j'avance oui, oui. un peu là-dessus. On a vu aussi, du coup, euh, via cette image qui montre les conséquences de la grande colère, donc un peu cette idée de submersion du Beleriand, même s'ils n'ont pas les droits et qu'ils l'ont pas mentionné. Il y a quand même cette idée de, de submersion. Je pense que, du coup, concrètement, si ça doit évoquer quelque chose, c'est ça. Ah, ah bon ben, C'est oui, oui ça, ça évoque, mais, euh, mais là encore, c'est une évocation qui est très. Euh... Qui est, qui est très flou, qui n'est pas défini, mmh. puisque ouais, on sait pas qui c'est, on ne on sait, on sait rien. On ne sait juste pas qui... où c'est, on ne sait pas quand c'est, euh, véritablement à la fin du premier âge. mais bon. Donc là, on a encore d'autres dégâts. On arrive sur Sauron, qui est Avec présenté... Si on ne voit pas Peter Jackson, on voit rien. Oui, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Surtout qu'il est présenté comme un sorcier, mmh. alors que je pense que Galadriel doit être au courant de sa vraie nature. Alors après... Euh... Bon, l'aspect sorcier, c'est la vérité aussi. je veux dire Soron, il est les premières, les premières fois où il apparaît dans le hobbit, c'est un nécromancien. Euh, alors quand je parle d'il apparaît dans le hobbit, à la fois dans le film, dans les films et dans le, le roman, c'est voilà, le nécromancien. Alors quand tu as 9 ans et que tu lis le hobbit et qu'on te dit il y a un nécromancien dans, dans la forêt, tu as peur mais tu sais pas bien à quoi ça fait référence. Maintenant, pour le public qui est visé, quand tu dis c'est un sorcier, là, il n'y a pas de doute, on a affaire à quelqu'un de puissant. Si après, en le précisant plus, c'était le lieutenant de Morgoth, comme on a dit. Et puis, là encore, la série, elle joue sur quoi Elle joue sur le fait que tous les personnages qu'on va rencontrer, on sait ce qu'ils deviennent. Donc finalement, il n'y a pas tant d'attente. Enfin, L'attente, la, elle est sur comment on va aller du point A au point B. Et le point B, c'est quoi C'est euh, bah, le séance d'anneau, l'anneau euh, de Sauron. Et euh, Comment Galadriel, Elrond et tout le tout, tout le team vont aller jusque-là? Bon, bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste montrer la silhouette comme ils ont fait. Il n'y a pas besoin de plus en fait et de dire bah, c'est un sorcier. Ouais, c'est un sorcier quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est euh, finalement là, ils n'ont pas besoin de faire plus. Ils n'ont pas besoin de, de dire euh, bah oui, euh, il a tel pouvoir, tel âge, il vient d'où. Là euh. encore, c'est dans la suggestion et, euh, et je pense que après, j'aime pas forcément. Euh, l'iconographie jacksonienne. Mais euh, là, il se raccrochent forcément aux branches de ce qu'ils ont auparavant. Oui, est, et c'est d'une redoutable efficacité. C'est efficace. Même si on n'aime pas. Même si on n'aime pas. Alors, l'alpinisme, avec Galadriel, le son 1 0 1. Donc Galadriel qui s'amuse. À... <laughs> euh, Galadriel qui s'amuse à escalader, euh... enfin qui s'amuse, quand même en difficulté, qui grimpe euh, les parois euh, de la chaîne de montagne du Foreau du Foro Drive, dans le nord, du coup, euh, en quête d'une citadelle que personne ne connaît, euh, pour qui serait le dernier bastion où aurait vu Sauron. Euh, ça, ça, je pense que ça caractérise quand même assez bien le personnage dès son début, à savoir euh, sa pugnacité, euh, le fait qu'elle est quand même assez têtue, euh, qu'elle a vraiment envie de, euh, de se mettre en avant et au pire de laisser les autres derrière. Ouais, c'est pareil, je sais pas si ça colle vraiment bien au personnage. Je... On sait qu'elle est têtue, mais. Euh... On a aussi quelqu'un euh, dans, dans, tel que Tolkien l'a décrit, de, de, a priori ouvert sur les autres. Pas mmh. pour rien qu'elle prend la, la tête de la Laurien au troisième âge. C'est pas pour rien non plus qu'elle se met à l'écart quand, euh, dans, dans le Silmarillion, des, des mas, du massacre d'Alqualondë. il euh, y, y a quelque chose comme ça qui... Bon après voilà hein, on pourra toujours dire euh, Tolkien ou pas. Euh, on a bien compris que la, la, personnali la personnalité pardon de, de Galadriel ça va pas être celle qu'on attendait euh, euh, a priori d'après les romans. Donc là bah, si on part du principe qu'elle part en chasse de Sauron à, à tous les coins de rue euh, en, en Terre du Milieu, voilà elle part elle est en bille en tête et elle veut pas entendre euh, elle veut rien entendre d'autre donc euh, ouais c'est cohérent quoi. Et alors, Berg bah, euh, question technique Ah, bah, c'est de la rigolade, mais bon, ça, c'est à peu près pour tous les, pour tous les trucs équivalents. C'est-à-dire que la seule chose qui est à peu près cohérente, c'est qu'ils ont des, ce qu'on appelle des pointes avant et qu'ils grimpent sur la glace. Quoi. Je veux dire, euh, ils grimpent les uns derrière les autres. Donc, si tu en as un qui, qui tombe, bah, il embarque mmh. tout le monde. D'ailleurs, j'ai vraiment cru qu'il qu y en avait un qui allait tomber et qui embarquait tout le monde. Enfin, je veux dire, dans, dans, euh, quand on regarde Game of Thrones, ils ont eu un peu le, la, le bon sens de mettre les gens par binôme en cordée. Et voilà, bon, là, <laughs> j'ai cru que j'allais sortir de la série quand j'ai vu la scène, mais après, ça, c'est une déformation, on va dire, un peu professionnelle. Mais, mais voilà, non, c'est juste que la scène, avaient... je suis pas sûr qu'ils avaient besoin de mettre un mur aussi haut et des conditions aussi intenses pour. Euh, voilà, je veux dire, c'est pareil, la scène juste après où ils sont dans le froid, la seule plateau, euh, et qui cherchent du coup la forteresse qu'on croyait être Outumno et qui apparemment n'est pas Outumno, je veux dire, ils sont dans des, ma... des cotes de mailles, donc il fait moins 30, les cotes de maille sont à peu près à moins 10, Mais euh, ils n'ont pas de bichot, voilà. <laughs> Donc du coup, il faut dès le départ, moi c'est ça que je trouve bien dans un sens, c'est que dès le départ, on est sur une série grand public. Il faut l'acter, et si on n'est pas capable de l'acter, on ne va pas prendre du plaisir dans cette série. C est, c est, ça c'est sûr. Après, à partir de là, c'est comme beaucoup de séries. Euh, moi par exemple, c'est les choses qui me font sourire, je veux dire, quand tu regardes James Bond, quand tu regardes Indiana Jones, c'est pareil. C'est Pareil, les mecs ils sautent de je sais pas où, les mecs ils se tapent pendant 10 minutes, donc c'est des raccourcis. Mais, mais voilà, ces scènes, c'est sûr que est-ce qu'il y avait besoin de faire aussi abuser je, je suis pas sûr. Arena, la référence à l'ordre du contrevent euh, quand ils avancent, oui, euh, oh, j'y ai, oui, oui, ai pensé aussi. Exactement, oui, j'y ai pensé aussi. Les chevrons, euh, euh... Euh... chacun devant euh, contre mar... contre euh, vent et tempête, euh, référence aussi de jacksonienne hein, parce que à un moment la, la communauté euh, traverse. Euh, euh, le Caradras ouais. et euh, ils sont en fil bah, de toute façon les ah, pardon j'ai coupé la parole à Arena mais euh, et même les dire, comment les, les points de vue hein, par hélicoptère euh, les... bon, on a clairement euh, le, le, même type de, le même type de plan que quand la communauté effectivement monte sur Caradras quoi ça c'est là encore hein, on parlait tout à l'heure de référence à, à jackson il enfin, y en a toutes les deux minutes quoi hein. Arena, tu voulais ajouter quelque chose Ouais, après moi, cette scène-là, elle m'a pas choquée personnellement, encore une fois. C'est vrai que le fait qu'ils montent les uns derrière les autres, bon, c'est un peu absurde, mais bon, c'est des elfes, c'est magique, euh, donc euh, voilà. Euh, le coup de la dague dans la glace, je ne sais pas si une dague peut supporter le... un pot humain comme ça, sans que ça cède, mais bon, une ok. La... Euh, ouais, <laughs> ça marche aussi, on va dire. Euh, non, rien. Vrai, euh... <laughs> on mélange le tous les univers. Euh, non, ça m'a pas particulièrement choqué, même si, bon, en effet, on voit bien que même euh, l'actrice, bon, c'est très le jeu vidéo, là, la scène qu'on a devant nous, mais bon, ça a été dit plein de fois. Mais euh, non, pareil, euh, pas choquant, enfin, peut-être plus pour la suite après si on le prend d'un point de vue réaliste, mais il ne faut pas se poser des questions, sinon on s'en sort plus. Alors, voilà, il y a des dragons, quoi, donc on peut se permettre. De... <laughs> Alors, ouais, non, mais... mais je dis ça en rigolant, mais. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir, euh, on va, enfin, sur la partie donjon euh, qui, est quand même, peut-être la partie sur laquelle il faudrait plus redire, euh, j'ai pas eu d'image de là-dessus, donc on va, on va en parler à partir de ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, Galadriel commence déjà à faire face au, euh, au refus de sa compagnie d'aller plus loin et de commencer à vouloir rentrer chez eux, référence aux Macédoniens d'Alexandre le Grand qui veulent pas aller jusqu'au bord de l'Inde mais qui veulent rentrer en, en Grèce et en Macédoine. Euh, et, euh, et pourtant, Galadriel s'entête et dit: Non, non, on va, y, on va continuer, on va y aller tant que la lumière n'est pas, pas tombée. Ils font une scène à la horde du contrevent pour, aller, pour arriver devant la forteresse, et euh, dedans, ils tombent sur, deux, sur trois choses. Euh, première chose, euh, une enclume sur laquelle est gravé le même symbole qui était gravé sur euh, l'épaule de Finrod. Un orc euh, qui semble euh, s'être fait euh, absorber par une puissance obscure et référence Jacksonienne s'il en est un troll. Ouais, alors il y a trois références Jacksoniennes en trois dans les trois. Hein. Je... Je L'Enclume encore une fois. Hein, L'Enclume mais... moins je trouve. Bah l'Enclume c'est enfin l'Enclume ok mais l'œil sur l'Enclume. Oui ah oui pour le coup. Moi il y a déjà un, un détail qui m'agace en fait l'œil n'existe pas à cette période. Donc, OK, on rattache les gens à ce qu'on connaît. OK, très bien. Mais, là, quel est l'intérêt, là, d'apporter un signe que tout le monde va reconnaître Au contraire, il aurait été intéressant d'inventer quelque chose qui soit un petit peu différent, euh, qui, qui, qui pourrait permettre de caractériser sauron d'une autre manière, euh, tout en n'étant pas dans l'évidence même avec un signe en forme d'œil, quoi. Parce que là, on on n'a pas eu besoin d'attendre les premiers épisodes on l'avait déjà dans le dans le trailer on savait déjà que c'était l'œil de sauron quoi enfin, euh... oui quelque chose qui fasse plus jouer le mystère en somme bah ouais qui, oui exactement tu vois qu'on qu n'ait pas l'impression de tomber les pieds dedans complètement quoi on se dise bah ouais ok c'est un signe mais est-ce que c'est vraiment sauron ce qu'on a que qu'on soit un peu aussi dans la dubitatif que, euh, bah, que finalement que les elfes qui accompagnent galadriel parce que c'est à ça aussi que servent ces personnages là sont censés faire le lien entre le, le spectateur et Galadriel, et là, ben bah non, on leur sert sur, sur un plateau un truc que les, les spectateurs vont, vont tout de suite comprendre. Après, effectivement, les deux autres sur le référencement euh, Jackson, euh, moi, je peux pas m'empêcher de voir dans l'orque pas, pas un orque qui s'est fait euh, absorber, mais plutôt qu'un orque qui est en train de naître et qui a pas été jusqu'à ah. la, la complétion ah, oui, de la naissance, oui, puisque par ailleurs dans les épisodes dans l'épisode et dans le suivant. On, on comprend que les orques sont sur, euh, sont sur le retour. Donc là, c'est pour moi, c'était plus dans cette. Enfin euh, là, on, moi j'ai l'image hein, tout de suite de le rocaille qui sort de sa gang euh, chez sa roumane. Hein, dans le. Euh, de le Laisser un zano de Jackson et puis bon bah le troll. Le, voilà le troll. Voilà ce qu'on en dit. Euh, c'est un troll quoi. Un peu, un peu. Même si Galadriel l'achève d'une manière. Euh, légolas. Non, Sans arc c'est pas le problème de la manière dont elle l'achète, c'est la manière dont elle commence le combat qui pose problème. Aussi. Il faut vraiment jouer sur le. Bon, euh, bon, après, on passe sur les épées à deux mains euh, qui portent dans le dos, qui du coup sont quasiment indégainables pour un combat. Enfin bref. Elles sont et, immenses, et là, là, hein C'est vrai que c'est pareil. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Parce que quand on les met dans la glace, on ne voit plus la taille des épées. Mais sinon, je veux dire, elles sont, elles sont trop grandes, elles ne sont pas du tout faites pour. Je veux dire, ils sont en train de se battre dans des couloirs. On ne sait jamais l'endroit où on sort une épée qui est trop grande. Euh, juste par contre sur cette image, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit bien le, le, y a une, une illustration d Lee, de John Howe qui, euh, qui reprend énormément cette, euh, ce fond d'écran là sur lequel sont les deux personnages. Et euh, du coup, bah, c'est pareil là, on sent tout de suite que John Howe a bossé sur, sur la série. Quoi. Je trouve qu'on ah, évidemment de toute, toute façon tout, tous les décors en fait hein, tous les décors ça, voilà. ça, ça sent le de toute le façon terme, euh... quand on dit Jackson c'est John O et Alan Lee mais du coup là sur cette image en particulier c'est vrai que ces ces pointes acérées là un peu de biais voilà c'est une, une illustration de John O donc ça fait penser à ça après sinon sur la scène dans le dans, dans la forteresse moi j'ai trouvé plutôt réussi ce qui est le plus gênant en fait c'est le c'est le, le, le lancement de, du combat, parce qu'il n'apporte apporte rien, il est, il est beaucoup trop stylisé, beaucoup trop. Euh, la catapulte sur l'épée, je veux dire, ça veut dire que l'elfe, il porte quelqu'un. Enfin bref, il voilà, n'y a rien qui est cohérent. Sinon, mais ensemble, encore, si, est... Si, si, si tu décryptes euh, point par point le combat, regarde le combat dans la Moria avec, euh, avec les orques et le troll, c'est exactement oui, pareil. C'est une personne qui s'éloigne euh, avec une torche, qui voit arriver de loin. Euh, un... Un ennemi, quoi, bon là, un troll en l'occurrence, mais euh, dans la communauté de l'anneau, c'était des orques et un troll, et euh, qui finalement se battent dans un mouchoir de poche avec des murs partout, on se demande bien comment ils font. Voilà, là, là encore, euh, on est dans l'autoréférencement euh, des adaptations. Est-ce que ça empêche d'apprécier, tout euh, dépend après des gens, mais... Non, mais ça me choque moins chez Jackson, dans le sens où le combat qui se passe dans la chambre de Mazarboul, qui pose le plus de problèmes à la limite... Euh, C'est le fait qu'ils soit euh, neuf dans la chambre à se battre, mais il y a quand même la place. Là, il n'y a quand même vraiment pas de place. Et puis encore une fois, dans la chambre, les, les hobbits, ils ont des petites dagues. Bon, il y a d'autres. Est-ce euh... que, est que les Golas un arc à 3 mètres Je ne suis pas sûr. Là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, il y a un côté polyvalent qui, moi, me gêne moins. Là, c'est vrai qu'ils euh, n'ont que des épées à deux mains. Euh, ils ont des arcs immenses, mais ces arcs-là, ça sert à quoi C'est pour tirer à 100 ou 200 pieds de distance. Donc, ils servent à quoi dans ce contexte enfin, Voilà, Ils auraient peut-être pu sortir des dagues. Ça faisait peut-être un petit peu moins euh, épique, mais un petit peu plus concret. Ou même les épées de après, Jackson. Truc... Hein. Même les épées qu'on les elfes oui, chez oui, Jackson, donc... elles sont beaucoup plus pratiques que celles-là. Hein. Ouais, mais après, du coup, ça fait un, de nouveau un autoréférence. Oui, 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 oui. J'avais déjà les mêmes épées. Bon, tu me diras, les épées qu'ils ont à la, à, la, à la bataille de Dalgorlad justement dans l'intro des films de Jackson, pouvait être repris ici, puisqu'on est au même, millénaire, au même au même, âge, pourquoi pas. Euh, donc, euh, Galadriel euh, défait un orc, euh, un troll, pardon, elle le, un le tue, de, un, le, un troll des glaces, elle récupère le sigil euh, capturé euh, sur euh, l'enclume, et elle revient dans la région du Linden, où, elle est, où un vieil ami euh, l'y retrouve. Elrond, futur, donc là méga spoil hein, pour, ceux, pour ceux qui ont, qui ont oublié, hein, futur seigneur de Rivendell, Fandval dans la nouvelle traduction, Foncombe dans l'ancienne, euh, père euh, d'Eladan, Elroir, et surtout d'Arwen, euh, fils lui-même euh, des deux grands sauveurs de la bataille de la Grande Colère et voire même de la destinée euh, de, de Arda pratiquement, à savoir Erendil et euh, Elwing, ces euh, retrouvailles, j'ai trouvé quand même touchantes Beaucoup de gens ont assumé que Galadriel essayait, enfin que Elrond essayait de de séduire sa belle-mère. Moi, j'ai plutôt vu vraiment euh, les retrouvailles de deux amis euh, qui, de longue date, même s'ils n'ont pas le même âge, qu'on hein, soit clair, euh, de même de longue date, euh, qui se retrouvaient et qui euh, étaient contents de se retrouver. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le... Enfin, je, je suis surpris, agréablement surpris par l'acteur qui jouait le ronde. J'étais très critique parce que j'avais pas aimé son rôle de Ned Stark jeune. Et, et, euh, et honnêtement, euh, ouais, euh, ça, ça marche bien. Je trouve que ça marche bien, en tout cas. Euh, après, moi, le truc qui me gêne, c'est presque ce qui m'a le plus gêné dans la série, dans, la, dans le premier épisode. Bon, là, je, je, on pinaille, hein, c'est plein de petits trucs, les épées longues, machin. Ce qui m'a vraiment gêné dans la série, c'est de voir Galadriel si jeune et de voir des elfes qui sont censés être beaucoup plus jeunes qu'elle mais là on parle de millénaires, faire plus vieux et plus sage. Plus sage pourquoi pas si c'est pour le personnage, faire plus vieux quand on voit Gilgalad par exemple qui fait beaucoup plus vieux que Galadriel, ça pose c'est la génération d'en dessous je ne parle même pas d'Elrond etc etc ouais. par contre après sur le reste euh, non, non moi je trouvais ça bien le... ils incarnent bien les personnages voilà puis la bonne surprise je crois que d'ailleurs est, est d'accord avec ça au niveau de clairement de la parce surprise que j'en euh, viens à, presque à considérer que je préfère cet acteur là à l'interprétation du go waving qui avait donné Elrond dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson aussi parce que c'est plus de cette manière-là que je vois Elrond personnellement, c'est un peu plus accueillant, on va dire, même si Hugo Waving a fait une performance formidable clairement. Mais il est monolithique Mais pour hein. l'instant, voilà, je suis quand même vraiment très contente de ce Elrond-là et je pense que c'est inconsciemment celui que je vais intégrer plutôt que celui du Hugo Waving maintenant parce que il est beaucoup plus amical, beaucoup plus je sais pas dans la discussion, il fait moins froid que que l'autre acteur donc euh, non non, c'est vraiment une très très bonne euh, surprise on va dire après on pouvait l'attendre avec les trailers hein, puisque il avait l'air quand même assez euh, assez appréciable aussi dans les trailers mais non c'était une bonne chose quand même je suis contente qu'ils aient choisi cet acteur là finalement acteur un peu plus souriant euh, ça fait du bien aussi mais il incarne bien aussi son le personnage d'Elrond à cette époque là qui est un peu le cul entre deux chaises qui est oui certes un seigneur euh, respecté puisque bon, il est quand même le fils de Rendil et de mais mais quand même pas, euh, complètement au, au, bah, au pouvoir puisqu'il est il reste que le héros de de Gilgalad et non pas un seigneur à part entière et euh, il a à la fois cette sympathie et puis ce voilà ce, cette position ambiguë que, que je trouve qui est bien qui, voilà qui, qui est bien incarné et par euh, par rapport à Hugo Weaving Hugo Weaving il a le problème c'est que quel que soit ses rôles il est toujours très très euh, bon, j'ai un terme j'utilise tout le temps qui est monolithique que je disais tout à l'heure oui. En fait, euh, il a beau, euh, tu peux le voir sourire ou quoi, enfin, t'as l'impression d'avoir une pierre en face. C'est un peu. Euh... Là, au moins, t'as vraiment l'acteur qui est euh... ouais, qui est agréable, t'as lui... presque envie de lui causer, quoi. D'être ouais, avec lui ça. dans le. Chose... Enfin... Vas-y, vas-y. Vas on en discutait entre nous et K, je sais que tu disais, bon, c'était un peu pour rire, je pense aussi, <laughs> que tu trouvais du coup, Elrond ne parlait pas très bien à sa future belle maman. <laughs> oui, alors. Donc pour remettre dans le contexte, Elrond normalement c'est censé donc on l'a dit hein, c'est un enfin, c'est un semi-elfe mais si on doit le classer dans la lignée des elfes c'est plutôt un elfe de la cinquième génération voire même de la sixième. Euh, il descend euh, déjà de, de lignée que Galadriel connaît parce qu'elle-même a été la dame de compagnie de son arrière-arrière-arrière-grand-mère à savoir euh, la Maia Melian. Euh, enfin, pour elle, Elrond, c'est genre le bébé qu'elle aurait pu tenir. Enfin, euh, c'est, enfin, c'est une grand-mère pour, pour lui. Euh, et c'est en plus, d'autant plus que euh, c'est la mère de Celebrian qui va être l'épouse d'Elrond, dont il n'est oh, pas fait ça, mention. à cette époque-là, on, on, voilà, on ne sait pas. Enfin, on sait pas. À cette époque-là, ça n'a pas été fait. Oui, oui. Mais normalement, elle a déjà épousé borne et euh, elle est déjà, euh, elle est déjà enceinte. Hein. Enfin, elle a déjà accouché à ce moment-là. Est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Là, on est plutôt dans le, dans le piège de. Il faut une, acteur, une actrice jeune. Euh, une actrice jeune qui soit badass, qui soit volontaire. Et qui se confronte justement à des modèles de sagesse qu'elle va un peu renverser. Là, on est quand même en plein dedans. Euh, on va voir l'autre modèle de sagesse. Même si j'avais vraiment envie de lui arracher les oreilles. Euh, mais c'est vrai que je trouvais déjà depuis le trailer. Et de manière très drôle, hein, évidemment. Je sais très bien que c'est une adaptation. Et, et en vrai, ça fait plus, plus sourire qu'autre chose. Tu ne parles pas comme ça, à belle maman. En fait, elle ronde. Il y a un moment, faut se calmer. Non, non, non. Moi, Donc, ça me choque moi, pas, je... pas du tout, au vrai contraire. Euh, J'ai l'impression euh... qu'il parle à une amie. Une... Ouais, oui, moi, bien sûr. Bien, sûr, bien sûr, bien que... sûr. Si, si, si on oublie, euh, si on oublie le fait que, ben voilà, c'est pas encore sa grand-mère. Enfin, c'est pas encore sa belle-mère. Oui, mais justement, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Stage, ça me choque pas du tout. Oui, bien. Aussi, ce que dit Galam. Vas-y. Bergamère recommence. On t'a pas très bien entendu, s'il te plaît. Je, je disais, sans contexte, c'est le. Il, il est le. Il a un rôle de héros pour Gildad, donc en fait, il est aussi un messager. Je veux dire, euh, c'est pas forcément uniquement lui. Alors, évidemment, on, on sent avec un peu de tact ce qu'il essaye de dire, notamment dans une scène plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que il, il, y a, il est avant tout chargé de lui transmettre des volontés du roi. Donc, à partir de là, euh, il y a aussi un moment où il va devoir potentiellement s'imposer. Mais de toute façon peu importe entre guillemets à partir du moment où actuellement il n'y a pas la relation gendre belle-mère c'est pas gênant du oui, tout oui. Mais il se parle il a une position plus de noblesse alors qu'elle a une position de entre guillemets de gamine qui n'écoute personne elle est quand même commandante des armées du nord ouais ah, mais c'est vrai que oui, dans du... contexte pour ce que, que, que ça veut dire, dire là, elle est un peu mal, oui. moins prise au sérieux parce qu'elle est trop entêtée. donc c'est vrai que là c'est vrai que remis en contexte c'est moins choquant alors on va vraiment. parler du coup de l'autre modèle de sagesse <laughs> à savoir le grand roi Alors on a cette superbe scène du Linden, donc la région euh, que dirige euh, Gilgalad euh, qui, re... qui ressemble quand même beaucoup à la Laurienne Jacksonienne. Et puis de toute façon c'était un peu le cas de la Laurienne Tolkienienne. Il hein, que... Que les... ah le... y a, une... Y a une, relation de... une relation entre les deux. Euh... Si je ne m'abuse c'est les Malornes de... De Gilgalad qui sont euh, donnés euh, pour, euh, pour la Lauréen. Donc là, il n'y a pas trop à se poser de questions. Et euh, je ne sais pas si j'ai l'image après. Ouais. Et du coup, on arrive à la cérémonie des récompenses. Une cérémonie qui existe dans l'histoire hein, où les rois récompensent pour euh, rendre service rendu ou, ou, grand, ou action de grand éclat des guerriers, des ambassadeurs et des sages. Donc là, on récompense. Euh, les, euh, les, les ceux qui sont partis en expédition euh, vers, euh, vers les terres du nord et à la traque du mal, et pour Gilgalad, cette traque elle est terminée, et du coup, il décide de leur offrir un cadeau. Ouais, alors, ça, c'est <laughs> je crois qu'entre le, le personnage et le, le cadeau, euh, je... moi je crois que je suis tombé des nues à ce moment-là. Vas-y, Drus, dis-nous euh, tout, lâche-toi. Bah, bah concrètement, euh, bon, alors déjà l'acteur le, le, de Gilgalad, de Gil je, je sais pas, enfin il y, y a un truc qui manque, quoi, des émotions, quoi. Mais, euh, je suis d'accord. Il, il fait rien ressentir. Non, mais tu je te ouais, vois oui, rire, Réna C'est vrai, c'est vrai. Mais... Euh, tu l'opposé de ce qu'on disait il y a deux secondes sur Elrond. Tu euh, as vraiment l'impression que même s'il est pas content ou à ce moment-là de l'histoire, ou... mais, mais il on ressent rien quoi c'est vraiment comme Hugo Weaving si tu veux c'est vraiment euh, il est là il fait son job l'acteur il fait un peu les gros yeux pour dire euh, voilà machin et, et en fait derrière il n'y a pas de sentiment qui est, qui passe quoi donc ça ça moi, moi ça m'a déjà j'ai trouvé et pourtant euh, quand je voyais les trailers et ou même l'acteur euh, euh, comme ça sur les sur les photos de, de promo euh, ou aux avant-premières, je trouvais qu'il avait l'air sympathique, tu vois, il avait quelque chose, euh, il paraissait être un acteur qui fasse ressentir des choses, mais alors là, non. Quoi. Bon, il y a ça, et puis alors le don. quoi. Moi, je crois que ça, ça m'a plus gavé, parce que alors certes, on peut revenir sur l'histoire des droits, sur l'histoire de fait que les Valar, peut-être peut qu'ils n'ont pas la possibilité d'en parler, mais faire de, du retour en Valinor un don du Seigneur-Elf. Pour moi, c'est complètement méconnaître Tolkien, quoi. Ne pas avoir compris la profondeur de, du texte. Le don qui est fait euh, aux elfes, il est fait parce que les Valar leur ont euh, pardonné ce qu'ils ont, enfin, qu ont fait au début du Premier Âge, à savoir bah, partir comme ça euh, et retourner en Terre du Milieu, euh, les massacres et parce qu'ils ont récupéré les Silmarils et euh, eu des souffrances telles que. Euh, et en fait. De, de dire bah, c'est le don des elfes, en fait, ça remet en cause le bah, finalement le sous-texte, c'est-à-dire le, le sacrifice d'Erendil et d'Elwing euh, à traverser la mer pour aller, euh, pour aller bah, plaider en faveur des hommes et des elfes. Quoi. Enfin, y a, là, pour le coup, c'est peut-être du pinaillage, parce qu'effectivement, ça, ça n'aura pas d'impact sur le, le reste de l'histoire. Euh, encore que euh, ça, 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 ino... ça augure en fait la, la manière dont euh, Galadriel va ensuite rencontrer les numénoréens. Mais alors là, je, je trouve que ça passe complètement à côté du sujet. Quoi. Non, mais je partage ton avis là-dessus. Hein. Quand j'ai vu euh, cette scène-là avec euh, Gilgalad qui les autorise, qui leur donne le droit de retourner euh, en Valinor, j'ai trouvé ça aussi un, un peu gros, un peu gênant. Euh... Hein, que ce soit lui qui puisse donner une telle autorisation, je trouvais ça vraiment pas adapté du tout. Euh, et c'est vrai qu'au niveau de l'acteur, bah, du coup, il m'est ressorti un peu antipathique sur, le, sur les deux épisodes, parce que c'est vrai que le manque d'émotion, pour l'instant en tout cas, puis euh, finalement, euh, quand tu as Galadriel en face qui ne veut pas repartir, et puis Galadriel qui a l'air d'insister par le biais d'Elrond. A vraiment l'impression que c'est pas un personnage que tu as envie de, de côtoyer en fait c'est un personnage qui m'est un peu antipathique du coup donc à voir sur les prochains épisodes si c'est mieux ou pas j'espère quand même mais euh, pour l'instant ça donne pas trop envie de, de traîner avec, euh, avec ce personnage là on va dire alors moi je vous rejoins totalement sur ce sujet là je suis totalement d'accord avec vous la scène est euh, aberrante par contre euh, je pense qu'elle est cohérente en termes de scénario puisque j'ai eu plusieurs questions euh, des copains qui m'ont des SMS, euh, pourquoi si pourquoi ça, euh, et c'était assez délicat d'expliquer euh, le bannissement en fait, euh, des Noldor, quand on n'a pas le background, du coup, de tout le Silmarillion, et je pense que, encore une fois, à tort et à raison, je ne cherche même pas à savoir si c'est justifié ou pas, mais je comprends euh, que les, scénari les scénaristes aient donné au roi la prérogative des Valar, puisque c'est beaucoup trop compliqué d'expliquer en quoi les Noldor ont été bannis de Valinor. Donc je pense que voilà, c'est une. une... Ouais, enfin, J'ai si eu deux C'est la, la seule question. raison. Pardon. Non, non, non je t'en prie, vas-y, mais voilà, c'est juste que je pense que c'est un raccourci qui a été fait, puisqu'on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Après, je suis totalement d'accord avec vous, moi la scène m'a gêné aussi. C'est pas cohérent, quoi. Et on essaie de donner une stature à Gilgalad qu'il n'a pas et qu'il n'arrive pas à avoir par l'acteur. Et puis la seule raison du voyage en, en bateau, c'est de faire faire à, à, à Galadriel un plongeon en mer pour ensuite euh, rencontrer euh, Albrand et aller à Nouménor. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait vraiment que ça euh, comme, comme moyen pour l'envoyer à Nouménor, à ce moment-là, vous la bannissez, euh, elle prend son bateau pour aller je ne sais pas où, euh, et puis là, elle, elle y va sur Nouménor. Mais faire appel à un concept qui est le don euh, de retourner en Valinor pour des elfes dans la mythologie de tolkien enfin il n'y avait, avait pas lieu quoi y a, y a, à mon avis il y avait beaucoup plus simple comme raccourci à ce moment là tu vois enfin, bon. par, par, oui, par contre cohérence du fait que Galadriel ne veut pas rentrer ça c'est cohérent avec le livre ça c'est cohérent avec <laughs> et le, le, et le reste <laughs> les raisons pour lesquelles elle est, euh, les euh, raisons est sont aussi. complètement différentes ah. euh, par contre après euh, esthétiquement la scène est quand même très belle bon les armures n'ont pas de sens mmh. Parce que des elfes en armure lourde Bon ok C'est nouveau Des elfes avec des couronnes de laurier ah, Ça ça change marins, quoi, vrai. Oui Les elfes avec des couronnes de laurier Ça ça me change beaucoup Bah ça fait un côté euh, très euh, Romain euh, roi. Oui, C'est une esthétique différente Ouais est Et pas... ça j'aime bien tu... Non mais justement ce, ce parti pris Moi je l'aime bien Parce qu'il est différent Parce qu'il change Parce que euh, Parce qu'il est Parce qu'il est très différent en fait Et ça déjà Ça j'attends plus de différence Là dedans qu'avec l'univers jacksonien Donc Galadriel se voit euh, mettre à la porte par le roi et euh, Elrond va remettre. Regardez comment il sourit, quand même assez. Moi, je le trouve assez sympathique quand même, ce, mmh. ce, ce cet acteur quand même. Elrond euh, remet une couche par derrière. Alors ça, ça on... mince. Pardon, j'ai la... Je pense que j'ai plus la photo euh, devant les statues euh, des elfes en euh, Je trouvais ça, pas... je trouve ça pas mal par contre. D'avoir de, euh, de, mis des espèces de Carnes funéraires euh, en bois Avec euh, des gisants euh, Des gisants euh, les montrant Et même euh, On m'avait remarqué sur Twitter qu'il y en avait un Représentant une elfe avec un chien Je ne dis pas okay. plus Je ne dis pas plus mais Ça pourrait évoquer Quelqu'un ça, ça, oui, 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 oui. ça, ça pourrait évoquer Loutienne euh, Même s'ils n'ont pas les droits et qu'ils l'ont pas mentionné, mais euh, c'est à peu près la seule elfe dont l'histoire tourne autour d'un des, de, des meilleurs compagnons de l'homme. Euh, et je trouvais ça pas mal comme clin d'œil. Et euh, du coup, il y a euh, ce, ce, à nouveau ce dialogue en disant euh, qu'Elrond avait vu des souffrances et que Galadriel faisait l'enjeu le, le, de dire j'en ai vu plus. Alors qu'Elrond, il en a quand même vu pas mal. Hein. Il a vu ses parents partir, le massacre des Havres. Euh, sa capture, ainsi que celle de son frère, et sa vie en captivité euh, sous les fils de Feanor, euh, ça fait quand même pas mal, je trouve. Après, et voilà. Après, on peut chercher la petite bête, on peut se dire aussi que Galadriel, elle a Ah, bien sûr euh, avec ah, Galadriel, c'est incommensurable. Galadriel, c'est inconventur... euh, ah, inconvensurable par rapport. Ça, je trouve ça. Euh... Voilà, c'est mm -hmm. Mais le. Il justifie pas en disant moi je continue parce que j'ai vu pire. Bon, c'est pas des grands dialogues, ça c'est voilà. sûr. C'est d'ailleurs un des trucs qui pêche dans la série, je trouve. C'est que les dialogues Évidemment, sont pas. Sur les dialogues sont, euh, sont, bon, les dialogues sont pas ouf. Du coup, on quitte Mais, un peu. Moi, je n'ai pas du tout vu le rapport à, à, à Lucien et, et Wan, et ça je trouve ça. Ah, cool, alors, c'est vraiment une frame, un de... genre très précise. Faut vraiment s'arrêter pile, quoi. Mais c'est vraiment dans la scène là, là où il y a. Il y a quand même pas mal d'elfes qui sont présentés. Faudrait faire un temps de décrypter tout le monde. Euh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la patience, mais en, en vrai, c'est pas le sujet. Euh, donc voilà, donc on n'a pas le temps. Et donc, on va passer tout de suite façon, sur. Vas-y. Petite remarque technique, Eka, si tu peux baisser un peu ton micro. parce ouais. que On m'entend trop ça... fort. Ouais, c'est ouais. beaucoup trop fort pour tout le monde. Ok, te plaît. ça marche. Merci. Euh, donc, euh, on passe du coup à une autre, euh, une autre séquence euh, qui est avec euh, arrondir, F Sylvestre ou Sylvain. Elle fait des bois, en tout cas, euh, qui arrive dans un village euh, du Tararad, euh, donc euh, dans le sud des terres du milieu, pour enquêter sur l'empoisonnement d'un puits et d'un puits, et qu'il qu il surveille depuis quelques, depuis plusieurs siècles euh, des humains. Hein 79, je crois qu'ils ont dit 79 ans dans la série. 79, qu'ils qu surveillent depuis plus de 79 ans, notamment parce que ces humains-là ont été euh, des pactisants, des forces du mal, notamment de Morcos. J'aime beaucoup son armure. À ah, arrondir. Hein ouais, personnage, il euh, y, y a un là. truc, quoi, ouais. Je le trouve bien ce perso. Après, il faut voir euh, toujours euh, comment il sera développé sur les futurs épisodes, mais pour l'instant, j'ai un bon feeling avec, donc euh, il me plaît bien. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, Arrondir va, va dans une taverne, euh, évite une esclandre à base de techniques de, de, technique de ninja. Hein. Euh, C'est un elfe. Et on rencontre du coup son love interest, à savoir Bronwyn. On verra plus tard, j'ai j'ai pas, pas de photo de cette séquence-là, euh, qu'il aime sans, lui dire, sans jamais lui dire. Et on lui rappelle évidemment que dans le légendaire de Tolkien, il n'y a eu que deux unions euh, de d'hommes et d'elfes, à savoir euh, du coup il en a eu un petit et, peu plus. et voilà. Alors, il y a eu deux unions qui ont donné des enfants. Il y a eu Beren et Luthien et Tuor et Idril. Des idylles et des romances, on y en a eu, je pense, beaucoup plus. On pense à celle malheureuse de Tourine, qui y en a eu deux, une en Doriath, plus ou moins, et une en Argofrond. Euh, on on, ça n'empêchait pas, du coup, que d'autres hommes ou d'autres elfes puissent tomber amoureux d'humains, sans que l'union soit heureuse. Moi, je n'ai pas trouvé ça choquant. <laughs> Alors moi, moi, je vais, je vais être clair. Hein, je l'ai dit hier sur le sur le Discord. Euh, de, toutes les, euh, de toutes les lignes euh, scénaristiques, finalement, ce qui m'a le plus plu, ça va faire bizarre, hein, mais c'est euh, celle-ci et celle d'Airfoot. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas Tolkien. Euh, j'ai vraiment envie de savoir avec quoi euh, ben, ce qu'ils ont fait avec ces personnages, dans quel sens ils vont aller. Euh, et, et si je fais abstraction du fait que c'est pas Tolkien en fait, et ben je trouve que finalement euh, leurs leur mésaventures sont très, presque les plus intéressantes. Euh, alors on se retrouve à ce moment là euh, si on nommait tout ce qui est euh, ce qu'est Tolkien sur euh, 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 comment dire sur un film de fantasy, euh, tout ce qu'il a de plus classique x ou y mais mais ça en rend le, le sujet plus intéressant. Euh, alors effectivement après on relie ça avec euh, les euh, les amours entre humains et elfes qu'on a dans chez Tolkien on, on va probablement en entendre dire que c'est c'est pas très tolkienien ou que ça l'est trop ou que patati ou patata. Enfin si on prend après les scènes, la scène en elle-même l'histoire en elle-même... Bah, si on nommait Tolkien, il n'y a rien de très choquant et je trouve que c'est plutôt intéressant comme concept. Il y a quelque chose à, à, à ma connaissance, en tout cas. J'ai lu quelques romans de fantasy. Il n'y a pas de roman qui existe où on commence une histoire en, en ayant un elfe qui surveille euh, un, une troupe d'humains avec un, un sang qui remonte à des traîtres. Enfin, il y a, y a quelque chose, effectivement, ça, ça me dit rien. Qui, voilà, il y, y a quelque chose derrière ouais. qui, qui euh, qui, enfin, qui peut s'entendre et qui, qui à mon avis peut être intéressant à, à regarder euh, et je trouve effectivement aussi que le enfin le l'acteur qui, qui joue cet elfe là Arondir, et puis même Bronwyn et, et le petit le petit Théo sont sont plutôt charismatiques dans leur rôle il y a, il y a quelque chose qui qui, qui matche bien entre eux euh, après on, on verra ce que donne l'histoire d'arrondir lui-même quand il euh, quand on verra les, les épisodes suivants, mais ouais, je trouve qu'il ça... y a un vrai intérêt pour le coup par rapport à, à l'histoire de Galadriel qui m'a laissé un peu de marbre, moi, pour, le, pour la peine. Niveau là, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que finalement, c'est son arc narratif à arrondir et euh, au, au pied velu qui m'intéresse le plus, finalement. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que comme c'est des personnages qu'on ne connaît pas en dehors de, bah, de la série, on ne sait pas ce qui va leur advenir, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc finalement, on est peut-être plus intéressé. Et quand on revient à Galadriel, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on repassait sur une scène avec elle, je me disais, ah non, mais remettez-moi <laughs> remettez les, les autres arcs narratifs. Finalement, j'étais un peu plus dedans que Galadriel. Et euh, finalement, je pense que ça va être les arcs narratifs qui vont le plus m'intéresser euh, sur la suite. Donc j'espère quand même que ce sera bien sur Galadriel. Il n'y a pas de raison. Mais euh, je, je suis très curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec ces personnages inventés, du coup. Et ouais, j'ai hâte de voir la suite, surtout pour ces arcs-là, en fait. Je peux me permettre, il y a deux, des questions dans le chat qui, à mon avis, mériteraient qu'on réponde. Il y a une personne qui demande si le, le petit Théo, c'est l'enfant de Bronwyn et, euh, et d'Arrondir. Alors, clairement, je ne pense pas. A priori, euh, je pense qu'on est tous les non. quatre d'accord. Euh, Vu la réaction qu'il a eue devant Arrondir, je ne pense pas non plus. Voilà, je ne pense pas non plus. Et en fait, c'est euh, euh, expliqué même dans la série, c'est-à-dire qu'il y a un passage où. Euh il euh, y a un, je sais pas c'est un gars qui se moque de Théo en disant que son père il a disparu et il sait pas pourquoi et donc euh, non non c'est juste euh, Brandwin qui est mère euh, mère euh, bon célibataire pour l'instant et puis et puis voilà et quant à la position de, du village alors de mémoire c'est pas où ouais, la position géographique c'est pas au Mordor mais euh, c'est un peu plus à l'est c'est un peu plus ouais. à l'ouest pardon c'est plus vers l'ouest du Mordor euh, donc euh, au niveau du futur Gondor alors je n'ai peut... pas, bah, pas la carte. J'aurais déduit ça, moi, sud-ouest euh, sud sud-ouest du, du Mordor aussi. Euh. En, si c'est en du Arad, Mordor, sud du Gondor, Au sud de la bouche de d'Olandoin, en gros. Ouais, ça, ouais, si c'est au Harad, de toute façon. Ça serait beaucoup plus au sud. Il y a euh... des montagnes sur la, la première image, mais sans que ce soit des hautes montagnes. Ça peut être les contreforts du, du Mordor, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de montagnes dans ce coin-là. Enfin, L'idée, c'est que c'est dans le sud, en fait, assez loin et dans des terres où il y a un mauvais sang qui, qui circule depuis longtemps. Voilà, il y a pas de... Là encore, ils font dans le flou, comme ça ça évite de faire des, des fautes en fait. Hein. Bah, en même temps, la référence sur les hommes euh, qui ont pactisé avec euh, Morgos et qui sont venus après, passer le Silmarion, passer leur trahison de Bor et Ulfang lors de la bataille des larmes innombrables, lors de Nirnaeth il n'y en a plus après. Il n'y a plus oui, de mention de ces hommes-là en fait. De tu es tellement loin géographiquement de toute façon de ces histoires du Beleriand que c'est un petit peu compliqué de raccrocher ça directement. Donc, euh, euh, oui, je pense que c'est volontairement flou et, et à dessein, quoi. Mais, mais ouais, et du sinon, coup... je suis d'accord avec pour le Proxy pour la, la scène. Je, je trouve que l'aile fait bien. Bon, J'avais déjà beaucoup aimé l'armure qu'il a. J'avais parlé de Grand-Mère Feuillage dans Pocahontas quand euh, on avait fait le dernier live. Et, et je trouve que oui, oui l'ensemble est bien. Je rejoins beaucoup de Russes sur le fait que... On n'est pas chez du. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti tout le long, en fait. J'ai l'impression qu'on essaie de me raccrocher à du Tolkien parce que j'entends Tolkien, je vois du Tolkien, notamment par l'iconographie Jackson. Mais je me sens pas tout le temps dans Tolkien. Et dans ces cas-là, j'ai envi... envie, de voir cette série-là, en fait, où on parle de fantasy et où on n'est pas forcément de Tolkien, mais où c'est très beau, où c'est très léché, bon à part les hommes qui sont particulièrement crasseux, est-ce que c'était utile Je suis pas sûr, mais voilà. Le... pas les Bref, je rejoins les, les autres. C'est pas des Edain. C'est des, des hommes moindres. Voilà. Comme, le, comme le diraient euh, certains, euh, certains gens du Gondor euh, plus tard. Des hommes... Mais voilà. Donc du coup, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Moi, j'ai beaucoup aimé... Ah, je... Alors, la scène d'après, qui montre du coup la tour de garde, hein, euh, d'où justement euh, les elfes sylvestres euh, peuvent observer la région du Tirarad. Euh... J'ai trouvé ça sympa. Il y a un truc qui m'a... Un peu fatigué, c'était de dire que les elfes sylvestres sont du coup soumis à l'autorité de Gilgalad. Oui, oh, la tour est magnifique. L'architecture de la tour, j'ai beaucoup aimé. Euh, franchement, je trouvais ça très sympa, cette idée que les elfes surveillent euh, de, de haute tour. Euh, mais que les elfes sylvestres qui, sont, qui ont déjà leur roi obéissent... Enfin... reconnaissent l'autorité d'un haut roi Noldor alors que euh, les Teleri ne sont pas forcément les gens les plus fond... les plus... Euh, les gens les plus tolérants vis-à-vis -vis des Noldor Ouais. C'est dit, ça, clairement ouais, ben, En gros, ils disent que euh, le roi déclare la fin de la guerre. Sauf que c'est des elfes sylvestres. Moi, je dis, elfes sylvestres, normalement, ils obéissent à Franduil ou à, ou à son père, au Redress, qui est encore là. Orofer, au au pardon. Qui obéissent à Orofer, normalement, à ce moment-là. Euh... Mais est-ce que c'est dit vraiment explicitement Alors, c'est peut-être dit que ce sont vraiment des elfes sylvains est-ce que moi, ça me choquerait pas que ce soit qu'ils fassent aussi partie euh, fassent au de la gouvernance de Gilgalad et que ce soit juste un détachement qui soit envoyé au sud okay. Parce qu'on n'en sait rien de ces si Moi, j'avais comme de ça, leur... ça aussi. Okay. Ouais, donc, comme on n'a pas de background pour eux, ça me choquerait pas du tout en fait. Que ce soit ça. La, la avait, tour, ne fait pas, pas du tout. Elf Sylvain, honnêtement. Non. Ouais. Bah déjà, les tours, ça ne font pas Elf Sylvain. Oui. Donc du coup, euh, moi, j'étais parti plutôt comme Arena sur cette idée que c'est un détachement lointain, Élendor euh, et basta. Après, je vais en profiter pour parler de ça tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'aime bien la représentation des elfes dans la série. Ils sont, on va dire, plus humains, moins lisses en fait que ce que Peter Jackson avait donné avec des elfes tout blancs, pas le moindre défaut sur le visage, etc. Là, ils ont des grains de beauté. Là, ils font beaucoup, plus... ils sont un peu vieillis parfois. Euh, cette direction, ces choix-là, de... enfin, finalement, je trouve que ça fait du bien aussi de voir des elfes qui ne sont pas tout lisses, tout blancs, tout parfaits. Euh qui sont des manucures, qui sont magnifiques, ça change, et je, je trouvais ça vraiment très bien, finalement. Je m'attendais à voir euh, pas mal d'elfes, à la Peter Jackson aussi, et finalement, j'ai été bien agréablement surprise par, euh, par ces elfes-là, et j'y pense, parce qu'on en voit plusieurs là, à ce moment-là, notamment celui qui va parler à Rondir et et c'est vraiment un point que j'aime bien apprécier en tout cas. De, pas... de se détacher un peu de ce que Peter Jackson avait fait pour les elfes. En vrai. Avec les coups et tout, c'est très bien. De trouve. ce qu'on a dit, les deux elfes les plus proches de l'iconographie jacksonienne, c'est Galadriel et Gilgalad. Les deux qui nous intéressent le moins. Oui. <laughs> voilà. Euh, du coup, euh, on passe sur les Harfoots. Euh, sur une scène que moi j'ai trouvée magnifique. Avec des chasseurs, avec. Euh, des, 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 des bois d'élan géants dans le dos qui servent à, on sait pas, c'est pas grave, c'est magique, c'est joli, moi j'aime bien, euh, qui euh, traversent un champ de blé et, euh, et disent qu'ils ne veulent pas tomber sur des harfoot car il faudrait faire attention euh, à eux parce que ce sont une race un peu... Euh, un peu... Dangereuse, je crois. Dangereuse, je Ouais, non. dangereuse. Et en fait, on se... donc on découvre du coup petit à petit les visages des harfoot et surtout le visage de Elanor Brandyfoot, alias Nori, et euh, de sa comparse qui vont chaparder des murs dans un verger et qui fuient euh, dès qu'un loup qui soit là. Moi, j'ai beaucoup aimé Nori, Je... même si son nom n'est pas approprié, euh, savoir un nom elfe traduit en un nom nain. Euh, franchement, j'ai trouvé très charismatique, enfin, trouvé très sympathique, très bonne vivante, très hobbit en fait. Euh, et moi, ça m'a fait, ça m'a Là, pour le coup, j'ai senti un truc non jacksonien, parce qu'on n'est pas, pas dans le comté, euh, mais quelque chose de bien, quelque chose de, de vivant et de, et de quand même assez sympa euh, dans l'esthétique et dans l'ambiance. Plus sur les chasseurs, la manière dont ils ont parlé des, des pieds velus, au début, quand ils l'ont mentionné, je me suis dit, mais c'est quand même un peu bizarre qu'ils connaissent l'existence des pieds velus, parce que si les hommes ne savaient pas qu'ils existaient, ça justifierait, entre guillemets. On n'en parle pas dans les textes de Tolkien, donc ce serait cohérent sur la série. Mais la manière dont ils le prononcent, finalement, avec leur recul, ça fait très. Euh... comme si c'était un conte pour enfants qu'ils avaient ah, entendu une légende, comme un it, ouais. voilà. Et je trouve ça bien tourné, finalement, pour faire en sorte qu'ils savent que ça existe, mais ils sont pas sûrs. Et euh, tout ce qui était euh, méthode de camouflage que les pieds venus utilisent, etc., ça me faisait beaucoup penser aux légendes, on va dire, légendes sel, etc., avec les Corrigans, ou d'autres exemples comme ça, qui vivent parmi... Enfin, pas très loin, on va dire, et puis finalement, qui se cachent merveilleusement bien, et c'était vraiment très bien tourné aussi, je trouve, en tout cas. Moi et le génial. Voilà. Moi, j'avoue avoir un, eu un, un gros, gros doute quand les premières images sont parues sur, euh, sur les hard-foot, notamment l'aspect euh, nomade, euh, charrette, euh, enfin, roulotte. Euh, et, et en fait... Euh, alors là encore, on va sûrement me honnir sur, sur les réseaux sociaux, mais bon. Mais je trouve que finalement, c'est ce qui, se, qui a, a le. En tout cas, c'est ce, le peuple, c'est ces parties-là qui ont le mieux attrapé l'esprit le, Tolkienien, en fait. Parce que. Je trouve, pour autant que j'aime bien les, les hobbies dans, chez Peter Jackson, où, et, et je suis même prêt à, à dire que. Comment il s'appelle Comment, celui qui, qui joue Bilbo dans Martin Freeman. Dans trois, Martin Freeman, merci. Euh, joue bien son rôle. Je trouve qu'il manquait un truc euh, que, que je retrouve mieux ici, c'est cet aspect nature en fait. Et alors là, on est complètement dedans, c'est-à-dire on a vraiment une, une vie euh, au plus près des arbres, des plantes, euh, et il y a une joie de vivre qui est, qui est vraiment celle que, que moi je ressens quand je lis le Hobbit, quoi. Y a, voilà, c est, c est, cet aspect d'insouciance, mais pas trop, parce qu'on on comprend qu'il y a... Euh, voilà, qui ressentent aussi l'arrivée un peu du mal. Euh, il y a des choses qui me chiffonnent quand même euh, sur, sur ces, euh, ces hard-foot. Mais il y a une relation euh, vraiment au spectateur qui, qui fait vraiment penser, qui fait vraiment attraper le... ce que Tolkien a voulu montrer des Hobbits. Quoi. Donc, ouais, moi je suis bien d'accord là-dessus, j'ai bien apprécié ces séquences aussi, je les, trouve, je les trouve sympas, je les trouve frais, je trouve que les deux gamines sont cool, euh, l'ambiance est, ouais, est sympa, et on retrouve une espèce d'insouciance, bref, je ne je bon, bon, voilà, vais pas en faire trop, mais j'ai bien aimé aussi ces séquences, j'ai trouvé ça sympa, et j'ai trouvé qu'elles étaient visuellement très très belles d'ailleurs dans la forêt, euh, bon de toute l'ensemble et tout est très beau, hein. euh, non, moi... et par contre la seule question... La bah, seule je... question que j'avais, c'était, euh, je crois que deal donc pas le Hélène le Tolkien, notre Hélène de l'association, disait que les les, les lettres, les, les, les symboles euh, utilisés par les hobbits ne correspondaient à rien. Alors je ne sais pas s'il y a eu des infos là-dessus, il faudra peut-être creuser ouais, un Non, Non, Apparemment, ça a été inventé. Juste pour répondre à quelqu'un dans le chat, le, 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 le nom hein, complet de la, de la fameuse Nori, en fait, c'est Eleanor Brandyput, ou Brandepied en français. Et donc, et la Nor, Nori pour le diminutif. Donc, euh, elle. Euh, donc, on voit quand même une, un aspect très aventureux qui évoque un peu les touques pour euh, pour Nori, euh, et qui évoque cet aspect un peu ce que, ce que Bilbon avait quand il était jeune, hein, euh, et qu'on retrouve un peu plus tard. Euh, ah voilà, ça c'était l'image que je vous avais dit sur Lutienne et et, et le chien. Voilà, c'est peut-être ça. Euh, qu'on retrouvera plus tard au moment euh, de la tombée de la nuit et où il y aura l'arrivée de l'homme comète. Là, Elrond et <laughs> Gilgalad discutent du fait qu'il fallait bien se débarrasser de Galadriel euh, parce que parce qu'elle commençait à enfin en, en gros de ce que j'ai compris c'est que elle commençait quand même à un peu embêter le haut roi euh, tandis que Elrond était plutôt pour dire euh, on va, euh, si, si le mal revient, je serai prêt à le combattre et que Galadriel avait raison. Donc ça, ça crée un peu une dynamique un, un peu différente euh, où Elrond est un peu vert. Et, et moi, ça m'a fait beaucoup rire quand tu disais que Ego Waving était monolithique. Du coup, en fait, j'ai l'impression que Elrond va s'approcher de Gilgalad jusqu'à devenir monolithique. Ah, c'est bien vu. Ouais. Euh, là-dessus, euh... ouais voilà, là-dessus on arrive sur à peu près sur la fin de l'épisode parce qu'on en a quand même pas mal parlé là-dessus. L'arrivée de la comète et en son centre l'homme en feu, par enfin, l'homme météore ah, ou l'étranger. On en a parlé hier sur le Discord, donc j'ai bien revérifié dans les scènes, la comète arrive bien de l'Ouest, hein, puisque c'est d'abord... C'est euh, le Lindon... Euh, je... euh... Voilà, c'est d'abord le Lindon, ensuite... Euh... Bref, je ne sais plus l'ordre que j'avais vu, mais clairement, Lindon. Il vient de l'Ouest et va vers l'Est. Air. Airfoot voilà. et tirade. À... Donc ça, du coup, il y a clairement une vocation... Un, un... Parce que J'imagine que la question va être qui est l'homme mystère Pour l'instant, on n'en sait rien, mais il y a clairement une connotation liée à l'Ouest avec une majuscule, c'est-à-dire à Valinor, aux présences angéliques, que ce soit donc les Valar ou les Maillards. Bon, moi, là, pour le... On en a encore un petit peu parlé hier sur le Discord, notamment avec Tiki, pour moi, ça paraît évident que c'est un Maillard, un Maya. Euh, derrière, euh, je vois bien une espèce de proto-Istar, euh, euh, mais par contre, euh, j'espère, et je vois pas Gandalf, c'est-à-dire que... J'ai vu ça un peu fleurir partout. Il ressemble à Gandalf. Il ressemble à Gandalf. Enfin, ouais, il ressemble à un pouilleux euh, qui est pas lavé et qui a une robe grise, quoi. Mais euh, je vais dire, euh, j'espère que c'est pas Gandalf, ouais. euh, J'espère que c'est pourquoi pas hein, un, un Maya qui arrive avec. Euh, on sait que on connaît cinq Istari. On sait qu'il y en a sans doute d'autres qu'on ne les connaît pas. Ils, ils n'ont pas été cinq. On n'en connaît que cinq. Donc pourquoi pas un Istar euh, qui est là un petit peu en avance. Ça ferait référence à certains textes. Tardif, où on change les dates d'arrivée, notamment des, des matchs bleus Voilà, pourquoi pas. Euh, à part ça, sinon, euh, le... les scènes de la comète sont plutôt jolies. Et après, euh, l'arrivée, de... bon, bon, c'est un trou qui est en feu. Il n'y a, de... a pas grand chose à dire sur euh, l'esthétique, mais c'est juste un peu ah, dommage oui. parce qu'il y en a certains qui voyaient l'œil de Sauron. Ouais, je sais pas. Euh... Ouais. L'œil de Sauron venir une de c'est de l'eau. Je pense qu'au contraire, on essaie de nous faire croire que c'était Sauron et en fait, c'est pas Sauron. Enfin, et, on essaie, on ouais. et on essaie de nous faire croire que c'est Gandalf et ça sera pas plus Gandalf que nous. Ouais, son... mmh. euh, on le voit pas encore. Hein. L'épisode on... se finit sur cette ouais, vue-là, donc on n'a pas encore la... le personnage non plus. Non non. Ouais. Bah, on le verra bon. après. Voilà. Donc, Passage à... à deuxième épisode. Ouais. Passage au deuxième épisode, du coup, qui euh, arrive avec euh, Galadriel sur le bateau en direction de Valinor. Euh... Alors, tout le cérémonial autour de enlever les armures enlever les armes euh... enfin en gros mettre les elfes dans la pratiquement nudité de leurs vêtements les plus simples mais tu et moi <rire> <rire> voilà drus lance le cri du cœur qui est de dire ça servait à rien je non mais, mais non seulement pas. ça servait à rien mais qui qui enfin je veux dire là on leur offre on leur fait un don je, je monopolise encore la parole vas -y, vas -y, vas -y. le grand roi leur fait un don ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils retournent normalement en Valinor, dans un pays de paix. Comment, d'où tu pars avec ton armure de, de, de 30 kilos sur le dos Non, tu prends et tes je bagages. Je suis totalement d'accord. Euh... Tu, 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 tu te mets léger avec des, des... Comment, des habits en lin, avec ton, ton petit duvet sur le dos et ton petit sac à dos. Mais tu ne prends pas ton armure de 30. Ce n'est pas possible. Humainement, elfiquement, c'est même... Ça ne rime à rien. Et puis, d'accord. Ils ont resté longtemps, euh... genre, comme ça. Oui, debout resté... pendant euh, 300 km de mer, quoi, de traversée. Alors, c'est vrai que ce n'est pas cohérent à ce niveau-là, mais pour la symbolique du euh, vous laissez vos armes, vous laissez votre passé derrière vous euh, pour passer à Valinor, je trouve ça intéressant parce que finalement, la seule voilà. qui fait demi-tour et qui saisit sa dague pour ne, euh, ne pas accepter mm -hmm. de laisser son passé derrière, c'est Galadriel, quoi. Donc, ouais, euh, il a euh, autant à chemise de, de nuit. Donc la symbolique est, est quand même assez intéressante, même si effectivement ça sert à rien. On est d'accord. Alors il y a un autre truc moi qui, sert à, qui, qui je trouve ne sert à rien là encore. C'est ça. <laughs> voilà. Donc on arrive sur l'ouverture euh, de, des cieux de, quoi. De la, des cieux littéralement. On se croirait dans One Piece euh, où euh, le, vaisseau, euh, des, euh, le vaisseau des elfes euh, traverse du coup. Enfin. Euh, prépare à entrer dans Valinor. Alors le problème, moi là-dedans, c'est que euh, j'y vois comme si Valinor n'était plus sur le même plan que la Terre du Milieu, alors que au deuxième âge, elle y est encore. Elle est... Oui. Il y, y a une autre chose qui est gênante ici. C'est d'où vient la lumière? Bah, tu Je... sais pas, ils ont un grand projecteur. <laughs> ouais, ouais, C'est le... le phare de le phare de. Le tout phare tout phare de... Non, mais il y a un qui marche. On si on est so soyons sérieux. Si les arbres sont morts auparavant, en plus, ils nous l'ont montré l'épisode d'avant. Si les arbres sont morts, la lumière, elle vient d'où Elle vient que du soleil. Elle ne peut pas venir du vallée Nord. Donc, bon, bref. Et puis, alors, cette, euh, cette euh, ouverture des cieux, la façon Moïse qui ouvre les flots, moi, euh, ouais, j'adhère pas du tout. Pardon. J'ai vu One est... Piece comme Ouais, moi j'ai vu, euh, vu quand même pas mal de, de, de cette espèce de division céleste de dire on entre dans un autre univers, sauf que bah dans la logique de Tolkien ça rentre pas parce que c'est pas cohérent avec l'âge à laquelle c'est énoncé. Ensuite, on passe un peu... À Après le... nous, avons... nous avons quand même Galadriel qui fait le... 500 mètres. Ah en oui, crawl. alors j'ai pas trouvé d'image de, de ça parce qu'on va du coup on va, on va broder un petit peu. C'est qu'en fait euh, Galadriel du coup va se lancer dans un euh, 500 mètres nage libre sur euh, 2000 km. Euh, <laughs> à savoir que euh, en gros elle donc elle renonce au don. Ça c'est cohérent avec ce qu'elle est, hein. c'est cohérent avec, euh, avec la personnalité de Galadriel, à savoir qu'elle avait pas envie de rentrer de toute façon euh, et qu'elle se dit qu'elle va y aller à la nage. Non, mais ça, c'est pareil. Qui qui se jette dans l'eau euh, en plein milieu comme ça de l'océan euh, avec juste euh, son, son, sa dague Allô oui, oui, on t'entend, t'inquiète. Euh, pardon. Oui, je n'étais bon. pas sûr. J'ai eu un petit souci au niveau de mon appart. et voilà. Euh, oui, je disais, euh, qui, qui se jette comme ça dans l'eau au milieu de nulle part et puis euh, se dit, je vais faire euh, les 300 bornes que je viens de faire en bateau euh, à la nage je veux bien que ce soit des elfes qui soient un peu euh, surhumains, mais enfin, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, c'est magique. <laughs> ouais. Ouais, mais ça marche bien euh, pour des petits trucs, ça, mais pas, pas pour ça. Enfin, L'escalade, les ça, les ça fonctionne parce que c'est un, un temps limité. Il ouais, y a une. voilà, oui, voilà ouais. C'est aberrant, mais c'est limité. Là, je, crois a... mais je crois que c'est l'une des choses qui revient le plus euh, sur les forums et compagnie. C'est que Galadriel part pour nager euh, des milliers de kilomètres dans l'eau. Il y a un côté, oui, c'est aberrant. Complètement incohérent, oui, ouais, clairement. Après, on ne sait pas la limite de la force des elfes. Même chez Tolkien, c'était pas mentionné. Galadriel reste une elfe qui a vu les deux lumières des deux arbres. Elle est censée être plus puissante que la plupart de ses semblables, même plus puissante que Gilgalad. Euh, donc, voilà. puissante ou pas, euh, à partir du moment où elle nage à 5 km/h grand max, euh, il va lui falloir des, des lustres. Alors, après, on peut toujours euh, faire le bon public et dire euh, bon, ouais, Oui, mais le, la scène où ça se passe, finalement, c'est pas si loin de Numenor et blablabla. Bla bla. Bon, après, de toute façon, euh, à partir du moment où elle trouve un radeau, on sait déjà pas d'où vient le radeau, comment il est arrivé là, à quelle distance il est de Numenor Bon, là, c'est pareil, c'est du TGCM, euh, il faut accepter et. Et puis voilà quoi, je pense qu'on n'a pas trop le choix de toute façon. Euh... Alors, je pas... Alors, du coup, j'ai découpé ça un peu, pas chronologiquement dans cet épisode, mais plutôt par axe narratif. Je voulais qu'on qu s'arrête d'abord sur l'axe des... 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 des pieds velus d'abord, notamment Nori, euh, et l'étranger. Parce que du coup, elles arrivent à. Elles secourent l'étranger, elles le... elles le cachent, en volant plusieurs affaires, euh, qui me rappelaient un peu des scènes à la mairie Pipin, dans leur malice. Euh, elle cache l'étranger dans un coin à part Elle le laisse dormir et Nori le retrouve le lendemain matin Et elle lui offre des escargots Et elle essaye de comprendre son nom Mais il n'arrive pas à le parler, il n'a plus l'usage Pratiquement de la parole, il n'arrive pas à former un langage cohérent bon. euh... Sur l'étranger, ouais, toujours la question Il qu ne sait pas parler en fait Mais euh, c'est possible aussi Moi mm -hmm. j'ai entend, entendu, un, un... entendu des sons Donc je pense qu'il sait formuler des sons Mais ce qu'il sait parler, je pense pas Ouais, voilà, il ne sait peut-être pas la langue, c'est ça quoi. Si on parle aussi des référencements à Jackson, euh, le coup de... des escargots me faisait furieusement penser à... au coup de, de la tomate euh, et des <laughs> On a dit qu'on peu... parlait Avec un pas peu de... plus de crispy euh, dans l'affaire. La... Non, mais sans, sans rire, je... Ouais, je trouve que c'est int intéressant la relation euh, entre ce personnage et, et les Hobbes. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des axes qui m'intéresse le plus. Euh, maintenant, euh, ouais, 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 j'ai du mal à voir où ça va. Parce que tant qu'on n'en sait pas plus finalement sur le personnage en question, à part le fait que bah, comme on l'a. je sais pas si tu en as une euh, image de, de l'étranger. Euh... Ouais. Euh, non, je ai pas pu en extraire des, des films, malheureusement. Euh... Euh... Parce que pas rendu je... maintenant, c'est comme ça. Euh, simplement, en, en fait, tout ce qu'on disait euh, sur le fait euh, quand il s'écrase, qu'il y a l'oeuvre de, de Sauron, enfin, en tout cas, ce qui pourrait représenter un œil, euh, c'est intéressant parce que justement, tout à chaque fois en fait que va voir ce personnage-là, il y a de l'ambivalence. Il se passe quelque chose de très Gandalfien et l'instant d'après, très Sauronien. Euh, donc, on voit l'œil. Nori s'approche, elle se brûle pas, c'est pas du feu, donc euh, a priori de, de Sauron. Euh, qui est pas qui serait un, un feu brûlant mais c'est plutôt un feu de chaleureux on va dire. Oh, pardon. Euh... Alors voilà. Alors je l'ai, je vais juste la remonter un tout petit peu euh, pour qu'on puisse la voir, mais j'ai une image de l'étranger. Mais si parce qu'il y avait de l'ambivalence sur le personnage que je disais tout à l'heure qu'ils essaient de nous mettre sur la faute sur une fausse piste ça Bien se sûr. sent clairement. Ah oui, il euh... y a aussi la, la scène dans les lucioles telle qu'on le mentionne dans le chat, que j'avais trouvé pas mal voilà. quand il était ouais, qui, ou... qui voulait retrouver les étoiles enfin, euh, qu'il fallait retrouver les étoiles pour essayer de de revoir euh, ouais, voilà, c'est la scène avec les étoiles par contre, où est-ce que j'ai mis Hop. ah bon d'accord, donc ils m'ont effacé ah, mes images tour, là. Ouais, ils m'ont ah. effacé mes images je ne sais pas que suis trop bien? <laughs> Encore un petit euh, <laughs> bon peu importe, non, mais euh, on va du coup, on va le dire à l'oral. Mais c'est vrai que même dans son dans sa manière de se tenir, euh, alors évidemment, son le côté barbu euh, habillé de, de guenilles en gris, euh, ça fait évidemment penser à, à Gandalf quand il apparaît dans enfin, quand il est tel qu'il est dans le c anneaux euh, avant de devenir Gandalf le blanc et dans le Hobbit. Mais à côté de ça, il ya le pouvoir euh, qui émane de lui, le regard qui, euh, bah, qui, qui, comment, qui, qui a tendance à un petit peu euh, impressionner, voire effrayer l'amie la, de, de Nori. Alors, je n'ai plus son nom à elle. Euh, Bommy, bon. je crois. Ouais, ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Plus euh, derrière, euh, effectivement, les lucioles, avec cette rune dans la, ou cette constellation en forme de rune qu'il faut trouver, mais qu'à la fin, la Lucione, les lucioles meurent. Donc on est Poppy, Poppy voilà, ouais. effectivement. Merci. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est à 100% bon, comme pourrait l'être Gandalf, à 100% maléfique, comme l'est Sauron. Euh, moi, je, je suis à peu près convaincu et, que, que ça sera ni l'un ni l'autre. Ça voilà. serait trop, beaucoup trop facile. Ouais, voilà. Bon, bah là, on est clairement dans, une, dans un aspect Gandalfien, tu vois. Même Radagast. Ou Radagast, enfin, quelque chose qui se, voilà, qui se rapproche de ça. Euh, pour revenir un peu rapidement sur l'histoire du Starry, comme l'a dit Bergelmir en effet, on ne connaît pas tous les Starry, on n'en connaît, connaît que 5. Et c'est vrai qu'une voilà, autre couleur, un autre mage, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, alors ça, pff, moi, je, je, ça m'agace un peu quand on dit ça, parce que ça, c'est encore une... C c'est vraiment un morceau de, de manuscrits que, qui, est, qui sont édités par Christopher Tolkien dans les Contes et légendes inachevés, et c'est pas quelque chose a priori sur lequel Tolkien s'est euh, vraiment euh, fixé. Et bah, finalement, euh, la seule chose qu'on est à peu près sûr, c'est que dans les écrits publiés de son vivant, c'est-à-dire Seigneur Zano, anneaux, il y en a cinq, quoi. On, Donc... on... Alors, certains ah. m'ont fait remonter qu'en effet, quand il se met un peu à délirer et qu'il écrit des runes sur le bout de bois, euh, sur le tronc de bois, là, ça ressemble à la rune de Gandalf au Futark, qu'il écrit sur la porte de Bilbo. Voilà. Oui, mais ça, c'est encore une, un exemple de d'indice de, bah, de, de, dans un sens ou dans un autre. Euh, après, est-ce que ça veut dire quelque chose où... Ou est-ce que c'est une, euh, une fausse piste Bon, bah, ça c'est au libre choix du spectateur de, de tomber dedans de ou de, de ne pas tomber dedans, pardon. Alors, du coup, on a la scène avec euh, moi, je trouve bien ces scènes avec, euh, en effet, comme tu l'as dit, Drus, de Nori avec l'étranger. Je sens qu'il y a une vraie dynamique entre les deux. Euh, Nancy, bon, il y en a un qui a vraiment des problèmes de communication via son personnage. Je trouve ça sympa. Et après on repart. Alors on part sur un axe complètement différent qui moi m'a beaucoup plu parce qu'il est aussi un peu inventé, mais qui m'a. Je pense que c'était vraiment mon, mon cœur d'attache du deuxième épisode. Donc Gilgalad convoque Elrond. Ils discutent tous les deux et euh... Gilgalad se débarrasse aussi de son héros. Enfin, il l'envoie en mission auprès d'un personnage très très connu du légendaire, à savoir Celebrimbor, petit-fils de Feanor. Grand forgeron euh, de la Terre du Milieu, un, un maître artisan elfe euh, qui vit du coup en Eregion, avec euh, le, donc son clan. Il y a carrément un royaume alors que normalement, euh, si mes souvenirs sont bons, les n'est pas un royaume à ce moment-là, plutôt une communauté de forgerons elfes. Et comprendre la chronologie en fait, c'est que. <laughs> Mais Célébrimor n'est pas roi, en tout cas, il n'est pas souverain, il n'a pas, il a juste l'autorité de son savoir-faire normalement. Et, et l'autorité de, de, de son arrogance et aussi son arrogance. parce qu'il est quand même Alors, moi ça m'a fait plaisir parce que j'ai retrouvé des trèfles très, très féanoriens dans son dans son Ah bah oui, là on est carrément dedans. Hein. Ouais, mais moins et... dans l'idée de réduire la terre au feu et à sang Ouais, mais il dit quand même que ce qu'il veut faire c'est euh, trouver enfin créer un objet qui va euh, qui va être un objet de pouvoir euh, sans limite quoi. Donc euh, et puis c'est gênant dans le sens où c'est pas quelqu'un a priori euh, c'est pas lui qui invente les anneaux quoi c'est Sauron qui lui inspire cette idée qu'Elrond mmh. euh, il, il intervient euh, aussi éventuellement de mémoire euh, pour créer la, la broche euh, elfique d'Aragorn à un moment dans une des dans un des textes mais euh, même si c'est un, un joyer de, de génie, ça n'en fait pas quelqu'un qui est capable de surpasser ou en tout cas d'égaler son, son ancêtre. Et, et là, on lui donne un orgueil tel que et que c'est carrément l'objectif. C'est présenté, c'est lui, c'est l'objectif, et c'est pratiquement lui qui a eu l'idée de, de, de l'anneau unique avant avant tout le monde presque, si on, on s'en tient à ce qui est dit euh, sur cette euh, sur cet épisode quoi. Alors évidemment mmh. j'entends bien que derrière ça va pas être aussi, euh, aussi radical mais je trouve, gênant, je trouve ça gênant vis-à-vis -vis du personnage quoi. Euh, et du coup euh, il se dit enfin pour, euh, pour résoudre ça Kelebrimbor euh, propose à, Enfin monte son projet de créer une grosse forge. Une forge si puissante euh, qui aurait euh, le... La pureté d'une étoile et la force du souffle d'un dragon, d'une langue de dragon, pardon. Euh, et qu'il en a besoin pour le printemps. Oui, alors ça c'est pareil. <laughs> Pourquoi Oui, bah oui, on est en quel mois en fait. Non mais puis on est en quel mois, Au niveau des repères, mais attendez, on, est... on parle de qui là On parle d'elfes Les mecs, ça fait 500 ans qu'ils euh, qu qu'ils existent. Et là, tout d'un coup, il se met à dire, euh, ah, si je faisais une forge, mais par contre, il faut qu'elle soit faite pendant 3 mois. Mmh. Non, bah non, t es, t es, fin, temporellement, il y, y a quelque chose qui va pas. Enfin, je, je sais pas, il y a que moi que ça choque ou. C'est quand même assez choquant, t es t es tu vois. Genre... Je me suis fait la même, exactement la même infection. Euh... C'est pour créer oui. un sentiment d'urgence, je pense, mais en vrai, ça marche pas. C'est pas cohérent avec ce que sont les elfes et ce que sont les elfes dans le milieu, en terre fait. du milieu. Il y a quelqu'un très drôle qui dit Ça m'a fait penser à Mission Cléopâtre qui dit ça dans le chat. <laughs> voilà, vous avez trois mois pour, euh, pour montrer ça. Vrai, je ça, vous couvrirai d'or. Mais voilà, donc il y, y a vraiment quelque chose qui a. Là, là encore, c'est un exemple du, de raccourci scénaristique. Et, enfin, ils n'ont ils ont pas, pas réfléchi aux implications, en fait. Et du bon. coup, pour répondre à la demande de, de son modèle, hein, parce que ronde le voit clairement comme quelqu'un qui a changé le cœur des elfes, Calabrimbor, il lui propose une main-d'œuvre euh, hors de leur Nen. race, donc naine. Étant donné que Kelebrimbor a quand même euh, fait les portes, enfin tracé les runes sur les portes de la de, de, de Khazad Doom, ça me semble pas incohérent. Donc Elrond se rend en Khazad Doom, en Moria, et. Euh, non, justement pas en Moria, en Khazad Doom. En Khazad Doom, ouais, pas, pas encore Moria. Ouais. Ouais. Ça s'appelle pas encore Moria. Ça s'appelle pas encore Moria, merci. Donc, en effet, en Khazad Doom, et il se fait un peu. Euh, ben, un peu refoulé comme on refoule quelqu'un à une entrée d'une mauvaise sortie de boîte, quoi. Enfin, une mauvaise entrée de boîte, quoi. Les nains, je les ai okay. trouvés très sympas pour le coup. Rien que le design avec les masques, euh, avec euh, les oreilles dorées, comme Marina le disait, avec les bijoux. Franchement, le design des nains, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup convaincu. Le design des nains ou de ou de, casa de Doom Les deux, pour le coup. Même les nains, parce que les masques, oh, ah, Casad doom. Casa doom est magnifique. Casa de Doom, ah, ils ont cazadoum, vraiment. moi j'en parlais de... Vas-y, vas Arena. Vas euh, moi j'ai vraiment la notion, alors ça apparaissait dans le trailer aussi, mais les miroirs. Les miroirs, mon dieu, je trouve que c'est une excellente idée. C'est repris un petit peu de l'autre haut qui avait fait pareil, donc Lord of the Rings Online, avec des, des passages où les nains utilisent les miroirs pour euh, alimenter en énergie, etc., et en lumière euh, les, plus profonds, les endroits les plus profonds. Et je trouve qu'avoir repris ça. C'est vraiment une très bonne idée bah, de la part des scénaristes en fait. C'est un détail, hein, mais c'est quand même vraiment vraiment bien fait, bien trouvé en tout cas. Et l'ensemble est magnifique. Hein. C'est sûr que là, on peut faire difficilement mieux, je trouve. Euh, on voit que c'est vraiment une une, bah, une cité naine qui est en pleine expansion, qui est vraiment au niveau de son âge d'or et vraiment vraiment super, très très jolie. Les lins sont bien. Il y a beaucoup de naines aussi. Ça, il euh, y en a quand même pas mal. On a repéré pas mal sans barbe, mais bon ça ça se discute. Et puis non tout est, tout est vraiment très très bien. Enfin moi c'est un, un des paysages qui m'a le plus euh, qui m'a le plus agréablement surpris on va dire sur euh, sur les épisodes. Et je reviens sur ce ouais, que quand je regardais euh, j'avais l'impression d'être comme euh, Elrond quand il rentre justement dans la scène la, la scène qu'on voit qu'il est sur le pont il est un peu ébahi partout et je pense que j'étais un petit peu pareil devant mon écran. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment vraiment réussi, Casa Doom. Je rejoins Arena sur les jeux de lumière, ça donne un côté vivant. On voit qu'il y a des. Alors, du coup, on voit l'arbre dans la scène après, dans, lors du repas, mais là, on voit de la verdure, on voit des cascades. Il euh, y a un côté. Euh, voilà, on coupe. Le, la, pour le coup, là, on sort un peu. De, alors, visuellement, on reste en, dans du Jackson, puisque c'est encore les mêmes euh, dessinateurs qui fait les croquis, mais on, on découvre la civilisation naine beaucoup plus vivante qu'on ne l'a connue. Dans la, la trilogie de Jackson. Et, et visuellement, ouais, c'est superbe. Moi, ça m'a rappelé euh, les grands souvenirs de quand j'ai commencé WoW il y a plus de 15 ans, quand on arrive à Ironforge, etc., qui du coup est inspiré directement de Tolkien. Euh, voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette scène. Euh, les visuels des nains, euh, ils rappellent des vieux visuels aussi, des illustrations qu'on voyait sur des, les nains complètement couverts lors des batailles du Belérian. Donc j'ai bien aimé ça aussi. Alors ça, c'est sans doute des des avis perso, mais, mais euh, j'ai bien aimé l'histoire des masques euh, et pour la barbe je suis pas aussi sûr que toi Réna, parce que alors euh, Diza en a euh, clairement il y a des ils ont ils l'ont laissé des rouflaquettes là sur le bord euh, c'est oui, très... oui, enfin moi pour oui. moi c'est voilà donc je je sais pas si les autres n'en ont pas mais du coup ils ont été assez malins pour le... Voilà, faire une espèce de petite subtilité, on se rend compte qu'il y a quelques rouflaquettes. C'est ni Eka ni moi, on est d'accord. Hein. Mais, mais, euh, mais du coup, bon, ils ont voulu coller au personnage. Là, il y a un effort de fait, pourquoi pas. Oui, oui, c'est vrai que oui, avant que tu le dis. Euh... Et puis, euh... Après voilà, visuellement, voilà, Moria la, 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 le le catastroom m'a vraiment marqué. Je sais pas si c'est aussi le cas de Drus, du coup, s'il a apprécié aussi, mais moi je sais que c'est un des passages au niveau du décor que j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, je devais dormir. <laughs> ça m'a ça, ça fait, enfin, c'est pas que ça m'a fait ni chaud ni froid. Hein, je... Comment dire je, je reconnais le caractère grandiloquent. Je, je suis un petit peu aussi, euh, comme comme Arena, euh, j'ai trouvé que le coup des miroirs était intéressant, et puis ce, cet aspect euh, casette Doom vivante avec des voilà des des champs en terrasse comme ça. Par contre, les nains, moi ça me, moi ça m'exaspère. Hein. Je, j'en ai déjà parlé. En, on en a déjà parlé entre nous, mais il n'y a pas une adaptation à l'heure actuelle dont je me souviens qui ne fait pas des nains euh, avec des gros pifs euh, Je suis désolé, mais il y a, quel est, enfin, il y, y a un besoin, on dirait qu'il y a un besoin de les, euh, de les affirmer avec euh, un, un gros 1 comme ça, euh, et du coup, ça me les rend, ça me les rend de plus en plus antipathiques finalement. Euh, autant au niveau, euh, autant du Seigneur des Anneaux quand, euh, quand c'était sorti, j'y prêtais pas trop attention. Quand le, le Hobbit est sorti, moi, ça m'avait, euh, enfin, la façon dont chaque, euh, chaque nain était séparé euh, m'intéressait. Et puis finalement j'ai trouvé que mis à part peut-être Philly euh, qui était euh, beau gosse, enfin, ils avaient tous euh, voilà, toujours cet aspect euh, gros pif. Et là on retrouve exactement la même chose. C'est-à-dire que pour moi, les nains, dans ma vision des choses telles que Tolkien les, les décrit, euh, ça reste des, des humains, en fait. Ça reste, alors je sais qu'ils ne font pas partie de la lignée humaine comme les hommes et les hobbits, techniquement, mais ils sont juste des, des, des hommes petits, quoi. Et, et il enfin, n'y a pas de raison qu'il y ait cette, euh, ce visage euh, trapu, très, euh, très grossier. Donc, ça, ça m'a gêné. Euh, par contre, euh, je trouvais intéressant, effectivement, euh, bah, comme, comme à, à travers le, la, la mine elle-même est vivante, et du coup, d'avoir euh, ce flot de peuple avec des femmes, des enfants, euh, toutes sortes d'hommes ou, ou de femmes, des grands, des, enfin pas des grands, des petits, mais euh, voilà, vous, vous comprenez, des vieux, des, des moins vieux, euh, euh, des qui étaient parfois handicapés euh, avec une, une oreille coupée remplacée par une oreille en or, ou une. Euh, voilà euh, et Diza qui, qui me semblait euh, un peu insipide dans les images je les trouvais plutôt euh, attachantes on va on, donc, on va à à Disa. Oui. Du, donc du coup ah, elle, alors attends c'est une, une des grosses vedettes vas-y Erena ah non mais du coup le, le coup des oreilles coupées moi j'avais dit en rigolant sur le Discord que c'était des bijoux et qu'avec ça ça ne devait pas être pratique parce qu'ils entendent rien mais j'avais ah bah, pas vu ça de la manière euh, ouais c'est peut-être aussi des bijoux c'est bien vu aussi je me disais, mais avoir ça sur une oreille, mais t'entends rien, ça sert un peu à rien. Quoi. Mais si c'est une prothèse, effectivement, c'est enfin, intéressant, mais ça doit être lourd quand même. Ben, ça doit être lourd, mais tu vois, ça m... ça, je trouve ça intéressant parce que là aussi, il y a, une... il y a un lien avec peut-être aussi le Hobbit. Alors, bon, là, voilà, je n'ai pas aimé, mais le Hobbit où on, on montrait le... le côté artisan avec les jouets, notamment d'Erebor. De... Euh, bon, voilà, il y avait... Moi, je voyais ça comme ça. Après, est-ce que c'est une prothèse, est-ce que c'est un bijou peu importe, mais ça fait vivre la culture du, du de, de voilà, de, de la civilisation naine, disons. Et y a, donc euh, Elrond se rend là-bas et euh, du coup pour se faire, pour rentrer propose à euh, propose à la cité de Casadoom le, du, enfin le le rite de, du Sigintara, donc euh, Tarag. Tarag, voilà. Je crois qu'on l'a traduit sur le sur le Discord, mais Alors, Sigintarag c'est du, du cus euh, pur là pour le coup ça a été euh, c'est pas une invention c'est une, euh, une vraie phrase euh, c'est un, un vrai terme euh, inventé par Tolkien qui, qui signifie pardon simplement euh, longue barbe donc longue barbe c'est le peuple de Durin. Euh, et, euh, et donc par contre le rite en lui-même n'existe pas mais euh, Sigintarag l'expression elle effectivement est une euh, est une, une expression plus je inventée par Tolkien. Donc, où... qui d'ailleurs n'existe que dans *People of Middle-earth*. Du oui. coup, je me parce que du coup, oui, j'ai fait la recherche aussi parce que je me demandais d'où ça sortait et, et en effet, je sais pas comment ils ont fait du coup pour la récupérer puisque. Eh ben, ils ont demandé l'autorisation. Voilà. Oui, alors du coup, c'est du, du cas par cas quoi. Mais euh, qui voilà, elle n'a été euh, citée dans un bout de *People of Middle-earth*, qui est donc le Home 12 euh, Voilà, ça alors, sort un peu. De, voilà, ouais. Ça, ça nous emmènerait loin de parler des droits, mais simplement, si je peux juste les évoquer euh, vas -y, vas -y. ici, les, euh, donc, de ce qu'on en a pu en glaner, parce que je, moi, je ne suis pas spécialiste du tout, euh, on n'a pas d'infos sur les contrats, mais Amazon a négocié euh, via la Warner et via le Tolkien Estate de pouvoir adapter le, second, le, le deuxième âge avec les appendices, à partir des appendices, tout en pouvant... Euh, parfois, demander l'autorisation d'utiliser ça et là un terme, euh, un, voilà une référence, la carte, la carte de Noumenor, ils auraient pas pu l'utiliser puisqu'elle n'existe pas dans le C1 ils ont demandé l'autorisation au Tolkien Estate. Donc c'était du détail point par point, effectivement, et donc probablement ce terme-là est une des, euh, une des demandes. Ouais. Donc euh, Elrond va se livrer à un combat de casser des pierres avec euh, son ancien meilleur pote Dourine, Dourine le quatrième du coup. Euh, que moi j'ai en, en vrai, moi ça rejoint un peu le, le grief que j'ai euh, sur. Euh, je, je regarde si j'ai pas Dourine là, si j'ai Dourine. J'ai Dourine le, le grand, enfin Dourine le magnifique qui est très pixelisé. J'ai trouvé ouais. son costume pas mal, mais en vrai, je suis même assez d'accord avec Drus. ça me fatigue de voir des nains. Rabaisser un espèce de comic relief assez grossier, de gros buveur euh, un, peu, un peu macho, euh, fort en muscles, et toujours. Enfin, euh, c'est toujours la même chose en fait, et ça commence à m'embêter parce qu'en fait, c'est pas une version naine de Tolkien, c'est une version naine de Warcraft, c'est une version naine de jeu de rôle, euh, mais c'est pas du Tolkien pour le coup, donc je pense qu'ils auraient pu changer. Euh, donc ils vont se livrer à un duel de cassage de pierre avec Elrond. Pourquoi pas, hein. les nains sont nés de la pierre après tout. Euh... Et, ça... et moi j'aimais bien non. le fait que de montrer que les nains, du coup, sont plus endurants que les elfes, parce qu'ils tiennent plus longtemps qu'elles rentrent. Ouais, mais enfin, pendant un épisode, là, on nous fait fond. attendre pour savoir pourquoi ils cassent des pierres l'un contre l'autre et pourquoi ils se, il se fait virer. On n'avait pas besoin de ça. Enfin, je suis désolé, hein, mais qu'est-ce qui qu'empêchait qu les scénaristes de plutôt de nous parler d'autre chose pendant qu'à à ce moment-là on... tu vois f... autant nous dire directement pourquoi euh, et pourquoi il est pas content plutôt que de nous passer 20 minutes sur euh, machin et Durin casse la, sa pierre et le Ronde casse la sienne et le Ronde casse la sienne euh... Dargamler tu veux dire quelque chose du coup euh, non, j'allais dire, je comprends totalement votre, euh, votre problème avec les nains, mais je pense qu'ils sont prisonniers, entre guillemets, d'une représentation qui, maintenant, est actée de la même manière que l'elfe euh, de Tolkien a pris le pas sur tout le reste. Ce qui est assez marrant, c'est que, si on fait un peu l'historiographie de, de ces peuples-là, c'est Tolkien qui a créé cette notion de l'elfe tel qu'on connaît mmh. maintenant, du nain tel qu'on connaît maintenant, cette notion qui a été dérivée dans les jeux de rôle, à une époque où aucun d'entre nous n'était encore né, euh, et qui du coup a eu, avec des problèmes de droit à l'époque, débouché sur des nouveaux noms dans les jeux de rôle, euh, parce qu'ils avaient justement, aux toutes premières versions, utilisé Hobbit sans avoir les droits, et qui du coup s'est inspiré de Tolkien dans les jeux de rôle, et c'est ces jeux de rôle qui ont finalement imposé euh, cette vision qu'on a maintenant. Et comme tu dis, Warcraft, par exemple, pour les, pour les nains, euh, sur, sur WoW, par exemple, c'est exactement ça. Et, et, et le et l'archétype je... ah, je... du nain et de l'elfe maintenant dans dans un dans le grand public, c'est ça. Et je pense qu'ils sont devenus prisonniers de, de ça qu'on n'aime bah, pas. Hein, enfin, ouais. moi, n'avais pas vu les tarins à ce point-là, les, les les nains. Je, je suis moins, pas d'accord. Mais... Hein, je... Moi, quand tu me dis ils sont prisonniers de ça, bah, je te réponds, les elfes, ils arrivent bien à s'en cent à se départir de la vision des elfes qu'avait Peter Jackson parce que c'est l'une des premières choses qu'Arena a dit tout à l'heure c'est ils ont ils arrivé ont... ils ont réussi pardon à, à caractériser les elfes d'une manière différente alors peut-être qu'à la base on est quand même dans les mêmes thématiques euh, de des elfes grands euh, euh, oreilles pointues euh, sages et tout enfin quand tu regardes Arondir ou même même Galadriel elle, euh, dans, dans la série elle est complètement différente différemment caractérisée de ce que pourrait être a priori l'elfe conscientisé par les, par les spectateurs, tu vois. Alors pourquoi les nains ils doivent oui, la... copier-coller. Je suis d'accord mais dans les faits finalement, ils ont fait pareil avec les nains, si on prend Disa, par exemple, qu'ils ont changé la couleur de peau, ça marche aussi, ils ont ouais, mais enfin c'est euh, pareil, ils ont, ils ont... Disa, ont... si tu regardes l'actrice telle qu'elle qu est dans la réalité et le personnage, ils lui ont fait un gros pif. Oui oui non, non mais ça je suis totalement je suis totalement d'accord sur le fond avec toi. Ce que je veux dire juste c'est que finalement les elfes on a beau avoir changé quelques détails ils ont toujours les oreilles pointues ils sont grands et ils sont fins. Et finalement bah, les euh, nains ils peuvent être barbus et euh, larges tu vois. Après ça pas je... une volonté de leur faire euh, des gros pifs. Non non mais c'est vrai que sur juste l'appendice nasal on est d'accord que c'est il y a un vrai truc là dessus ah, surtout voilà. que tu regardes les sur les statuts, ils n'ont pas forcément ça. Donc, il y, y a un vrai truc. Je pense qu'ils ont mis des, des prothèses à tout le monde, parce qu'à mon avis, ils ont pas tous des pifs pareils dans la réalité, les acteurs, même si je n'ai pas vérifié. Certain, ouais. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que le côté. Euh, peu, tu parlais de d'humains petits, entre guillemets, mais je pense que c'est là-dessus où, où je voulais parler de prisonniers, c'est qu'ils sont forcément. On les voit maintenant forcément comme très trapus, très larges, etc. Et, et je pense que là-dessus. Ils auront du mal à s'en sortir. Après, sur l'aîné, je vous rejoins totalement. Il n'y a pas besoin de faire des gros pif. Mais j'avoue que moi, ça m'a pas gêné dans la vidéo. Donc, du coup, peut-être que fais parce que je suis habitué par d'autres univers, mais du coup, ça m'a pas gêné. Donc, j'ai moins vu ça. Mais c'est vrai que si, si c'est devenu un, un, un cliché, ça devient gênant, en effet. Alors, je passe juste un peu. À... Je, ah, je, on un peu passe un peu à la un suite, sur ou ouais. euh, Je repasse un peu là-dessus. Je voulais quand même revenir sur euh, le couple elrond Dourin euh, dit ça. Et le trio qu'ils ont formé avec Elrond que moi j'avais trouvé très attachant, très touchant en fait. Euh, en effet, quand, quand on présentait Disa, euh, le personnage ne me disait pas grand-chose et me paraissait un peu, voire un peu maléfique, dans le sens où euh, elle avait quand même ce regard assez renfrogné, euh, très fermé sur elle-même. Et en fait, c'est une petite boule d'amour qui prend Elrond dans ses bras, enfin euh, qui arrive à, à dire à Dourine euh, que euh, sa colère parce que l'a oublié pendant 50 ans, ce qui est encore une fois une incohérence niveau euh, niveau euh, chronologie, au niveau de l'échelle d'échelle de, de, de vie des nains et des elfes. Mais enfin franchement, moi le personnage dit ça, il a marché pour moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette en fait qu'il marche aussi bien euh, plus que Dourine pour le coup. Et la relation qu'elle a avec Elrond, elle est quand même assez chouette. Tellement le côté euh, comment dire. Euh étrange que tu as dit au niveau de la chronologie de durée de vie des nains et tout ça m'a pas tant choqué que ça parce que je trouve qu'au contraire c'est presque bien que Dorine ait dit à Elrond voilà tu m'as oublié pendant plusieurs années oublie pas ans. que moi un jour je vais mourir et que et que voilà il faut en profiter de moi maintenant et pas quand je serai, je serai six pieds sous terre quoi donc euh, même si les nains vivent longtemps euh, ça m'a pas du tout choqué qu'il fasse ce rappel là au contraire non mais la durée me semble assez courte en fait, c'est surtout que 50 ans. Oui, voilà. la, la durée est courte, mais quand tu vois qu'il s'est marié, qu'il a eu ses enfants, etc. Dans cette période, ça fait quand même beaucoup ouais, de choses. C'est chose. bienvenu bon aussi. Et puis là, on parlait tout à l'heure, on parlait de problèmes de, de contextualisation temporelle. Là, au moins, on a un petit aperçu de, du temps qu'a pu vivre euh, bah, l'amitié entre euh, entre les deux, par exemple. Oui. Donc, Ouais, c'était 50 ans ou je sais plus combien tu vois d'un côté 79 ans pour arrondir qui, est, qui surveille, la, qui, qui surveille la, le village là on a 50 ans pour les deux euh, qui sont 50 ans qui se sont pas vus euh, à côté de ça on a les enfants qui courent donc on peut leur donner euh, grand maximum une dizaine d'années euh, donc ça permet aussi de euh, voilà, donner quelques limites temporelles aux, aux spectateurs. D'ailleurs, bon moyen oui. d'esquiver les prothèses, de leur mettre les énormes têtes de pierre sur la tête aux enfants. Pour euh... les nains, c'était bien trouvé. Pour les, petits oui. les enfants, non. Je trouvais ça très malin, effectivement. Alors moi, je... vous ah, rejoins pour Disa. Pardon, Bruce. Euh, je vous rejoins pour Disa aussi. J'ai ai beaucoup aimé le perso. Je trouve qu'elle a les yeux qui brillent. Euh, vraiment, quand elle parle, elle est émerveillée. Et, et oui, non, j'ai beaucoup aimé le, le personnage aussi. Pareil... Euh pas convaincu par les photos, euh, etc. Et puis dès qu'elle prend le, le dès qu'elle 'écran dès qu'elle joue, euh, elle prend la lumière. Franchement, ouais. Euh, belle, belle surprise. Moi, franchement, je la trouve à l'opposé d'acteur de Gil -galad. <laughs> Ça sent qu'elle ah, est ouais, là, oui. tu vois. Moi, elle ça... l'émotion de l'autre, ouais. en fait, C'est ça. Et moi, je trouve ça, je trouve ça chouette, tu vois, genre de, parce que pour moi, ça compte quand un acteur s'amuse quand même, mine de rien sur le, sur le stage. Oui. Là, ça se voit. Euh... Donc du coup, euh, après, euh... donc Elrond et euh... Elrond et on voit l'arbre derrière euh, du coin, un, un arbre du Linden qui pousse dans, les, dans la Moria. Euh, moi, j'ai trouvé. Franchement, cet arc narratif-là, j'ai trouvé chouette. Et je trouve que le rôle d'Elrond en tant qu'ambassadeur, il est bien amené. Et ça, la sympathie du personnage est quand même vachement mise en avant euh, au cours des deux épisodes, donc ça ne m'a pas déçu. Euh... Oui, puis c'est un peu cohérent, il, est, il fait face à un. un doulin qui est, qui est plutôt... Euh, qui rentre dans le côté opiniâtre des nains, qui ne veut pas reconnaître ci que là, et du coup, il y a Disa qui contrebalance avec du coup ce, cette espèce de... de enfin, elle jaillit un petit peu. Quoi. Elle, elle, elle resplendit sur la scène. Donc moi, j'ai bien aimé aussi. Je trouve que on, on nous... Je rejoins totalement Drus quand il disait tout à l'heure que euh, clairement le cassage de pierre n'était pas forcément utile. Par contre là, du coup, il se rattrape, c'est-à-dire qu'il nous, nous recrée du lien entre les deux persos. Bon, sur la scène qui suit avec euh, l'espèce d'ascenseur euh, euh, en contrepoids, elle marche aussi bien. Du coup, bon, la scène du coup, ouais, c'est pas mal. La scène d'avant, celle sur l'ascenseur quand tu lui dis qu'il a oublié. Justement. Ah ben oui, pardon. Oui, oui c'est la scène d'avant. Exact, exact. Mais du coup, ouais, non, j'ai trouvé ça sympa et, et encore une fois, le, le trio marche bien et, et on a envie de voir où vont. Euh, quand même, Elrond et, et Dourine ensemble. Dans... Ça, je trouve que c'est assez réussi, tous ces passages-là. De toute façon, tout ce qui s'est passé dans le Casa Doom, mis à part le, le cassage de pierre qui a un côté euh, assez véotien, euh, j'ai bien aimé. ouais. Ça m'a rappelé le concours de boissons qu'on voit chez Jackson. Euh, et voilà, on n'est on est pas habitué à ça chez Tolkien, on voit ça plutôt chez Sapkowski qui est quand même un. L'auteur de Witcher, qui est quand même pas mal de scènes un peu beaufs hein, dans ses bouquins, euh, chez Tolkien, oui, c'est plus surprenant. Bon, Mettons ça sur le côté grand public de l'adaptation. Drus tu voulais ajouter quelque chose Non, non, c'est. On a très peu parlé. Euh, de... je, je finis vite fait sur l'Arc des Nains, euh, avec du coup, on voit Dourin le troisième. Euh, et je rappelle du coup que les Durin <laughs> sont normalement censés être des réincarnations euh, successives de Dourin le premier, hein, le Trompe-la-Mort. Euh, jusqu'au septième, enfin, voilà, euh, et euh, que à la fin, donc Durin lui dit, se... enfin Durin, son, son père dit à Durin IV de se méfier des elfes et de dire que c'est pas normal, enfin que c'est pas une coïncidence si Elrond arrive au moment où ils ont fait une grande découverte, une découverte qui euh, pourrait euh, certainement basculer le destinataire du milieu ah, ça, et il nous montre un coffre qu'il ouvre avec euh, une substance brillante à l'intérieur. A priori, on est à Casa Doom. On est chez les nains, c'est du mitril voilà, pas, pas, de, pas, de, pas de surprise en fait. Mais le, ce qui, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'importance de ce mitril en tant que métal euh, dans les projets des nains et dans les parce que voilà. Je pense on, que c'est pas les projets des nains, moi. Bah c'est plutôt les de pour Kélibribor. les brimbor. Oui. C'est pour que les brimbor, oui, tout à fait. Alors. Alors, on sait au moins que un des, un des anneaux euh, elfiques est fait de mithril. donc après euh, à voir si. Euh, un peu plus que ça derrière. Quoi. Dans le. on peut exister toutes les théories euh, fumeuses sur c'est un Silmaril, etc. Ah oui. etc. Ah, ah, ça, ça oubliez tout faut de suite. Le Silmaril euh, qu'a lâché Maedros dans le volcan est inaccessible. Voilà. Et puis je crois qu'ils n'ont pas les droits de toute façon des Silmarils. Enfin, ils l'ont mentionné, mais je pense pas qu'ils auraient le droit de le montrer de toute façon. Euh, donc oui, je pense que c'est du Mitril. Je pense que ça va causer justement le réveil du Balrog qu'on a, qu a teasé dans les trailers. Euh, voilà, Donc, je pense qu'il y aura... Voilà, ça clôt l'arc des nains, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai hâte de voir du coup les scènes où on va voir euh, Dourin et Dissa en, 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 en Lindon. Donc voilà, pour moi c'est une scène qui a bien marché et je trouvais ça chouette. Petite question dans le chat, euh, ils pensent que les elfes veulent leur voler le mithril. Alors pour moi c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas aussi, la manière dont euh, Dourin 3 a amené les choses donc euh, c'est oui je... moi c'est comme ça que j'ai compris personnellement hein. après... sur euh, le... la manière d'amener après des histoires de vol il y en a eu qu'une seule de vol d'un bien elfe enfin d'un bien que les nains considéraient comme le leur euh, c'est celui euh, d'une no oglamire euh, qui est un bijou qui a causé pratiquement une guerre entre les elfes et les nains euh... un bijou très précieux d'ailleurs euh... et c'est vrai que les nains ont tendance à être plutôt Conservateurs, repliés sur eux-mêmes et sur leurs secrets et sur leurs possessions. Donc ça, c'est pas incohérent. Que les elfes soient des voleurs, bon, bah là, on parle quand même d'un forgeron dont le père a été très proche des nains. Enfin, dont la famille a été très ouais. proche des nains à un moment. Ça demandera à, des, à être éclairci parce que cette histoire de, ils ont déjà un, que, que les nains ont déjà un coup d'avance. On ne sait pas trop bien quoi. En fait, c'est l'intérêt le... du, du Mithril. Du Mithril. Ça va être l'intérêt du Mithrid dans ce petit de projet. Alors, je passe du coup au naufrage. Enfin, et on va tomber sur ce personnage. Qui est Albrand. Euh, nom de famille inconnu. Euh, origine inconnue. Personnalité ouais. Jack and Cartier, à savoir très mystérieux. Euh, qui me fait penser un peu à, à ragor Ara Vigo Qui me fait penser à Viggo Mortensen un tout petit peu. Bah c'est normal puisque même son histoire elle est basée sur ça. Et euh, elle est basée sur Aragorn hein. donc, euh, donc, qui est très proche euh, qui est très proche qui est scénar scénaristiquement proche d'un Aragorn, qui a quand même laissé tomber tout son équipage. <laughs> voilà. Euh, et qui euh, se voit euh, sauver Galadriel malgré lui et malgré elle en fait. Euh, dans, et qui vont traverser une tempête ensemble. Bon, l'arc tempête ne m'a pas beaucoup, ne m'a pas fait grand chose. Bah, tu montres juste un personnage qui qui sacrifie d'autres histoire d'eux voilà. Il récupère Galadriel et puis, je sais pas, il change d'avis d'un seul coup. Il va la sauver quand elle est. Euh... Dans un mauvais espace, tu ne sais pas trop pourquoi d'un seul coup il se dit je vais m'occuper des autres, mais pourquoi pas. Je ne comprends pas puis... non plus pourquoi Galadriel voilà. ah, elle se ah, jette ah, dans l'eau. On euh... a perdu quelqu'un. Alors euh, je, sais, je pense savoir pourquoi. <laughs> on, on est tous les deux euh, à Grenoble et il euh, y a une tempête, ah. un orage euh, assez fou dehors. C'est un peu pour ça que vous avez peut-être vu euh, ouais. courir de droite à gauche, c'était pour fermer les fenêtres. Euh, voilà, donc il a peut-être une coupure de courant euh, bon. chez lui. Euh, euh, on va continuer. Bon, alors, sur Albrand, euh, moi, pff, là, typiquement là encore, c'est vraiment l'arc narratif qui m'a oh, qui, qui le plus saoulé, de, de, en tout cas le moins intéressé de, de l'épisode 2. Euh, bah, en fait, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure à propos de Galadriel et du, et du fait qu'elle nage pendant 300 km. Quoi. Quel est l'intérêt euh, Pourquoi on nous fait voir des, un équipage si c'est pour que deux secondes après euh, on nous le fasse bouffer par un monstre dont, qui est sorti d'un de ses où. Euh, un pseudo love interest qui va sûrement jaillir. Je vois pas trop l'intérêt. Euh, par contre, au-delà de ça, il y a euh, cette histoire de retour du roi qui est évoquée par Albrand. Ok, quel roi, euh, quel, quel pays euh... A priori, ça devrait ouais. être l'est. Moi, je pensais du coup euh, aux terres de l'est. Euh, Peut-être que c'est le descendant de Bor dulfang euh, Peut-être que ça va être lui le roi du Harad. Même si lui, pour le coup, il a pas la couleur de qui euh, Et puis moi, ce qui m'a un peu embêté, c'est que Galadriel est petite, pour le coup. Elle ouais, alors peu... ça. Elle est petite ouais. par rapport à tout le monde, alors qu'elle censée quand même être assez grande. Euh... Je pense qu'ils ont privilégié la, disons, le... la beauté de l'actrice à... à sa taille. Oui, mais du coup, tu sais faire des plans contre-plongés pour montrer quelqu'un de plus grand Oui, c'est pas fou. La technologie pour, tu vois. Donc... Mais bon, bref. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Pour euh... Galadriel, elle n'a pas besoin. Enfin, elle est censée être plus grande que tout le monde, quoi. C'est censée être une des plus grandes. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà. Donc le l'arc albrand, on ne sait pas. On sait qu'ils traversent une tempête. Ils se font euh, secourir. Euh... Par un bateau à la fin, probablement d'un humain, rien. Bon, après, je pense que le collier qu'il a autour du cou, euh, si Galadriel a insisté dessus, il aura peut-être une importance sur la suite. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a ce détail là. Le, le collier, ouais, ouais est-ce qu'il a un collier Alors, j'ai pas bien vu ce que c'était. Ça ressemble un piège, ou un oiseau, ouais. Euh, bah, c'est un, un oiseau, vous dites Je crois, hein. Moi, je sais pas. J'ai pas bien vu, en fait. Je, je crois que c'est un coquillage bizarre, mais euh, je, je, non, parce je... que pour le coup, il existe. Euh, bah, on parlait tout à l'heure de Kilimrimbor et, et du fait que il intervient pour faire le collier pour, euh, pour Aragorn dans le Anneaux, C'est l'Hélène Dilmir qui, qui a la forme d'une, qui est une gemme verte avec euh, des ailes d'aigle de, euh, de part et d'autre. Enfin, voilà, en forme d'oiseau euh, vert. Euh, est-ce que c'est ça? Euh... Est-ce que ça pourrait évoquer ça pour une raison ou une autre euh, Encore une, une, une façon de rattacher un peu quand même aux Seigneurs Anneaux à bah, Aragorn plus tard Ça m'étonnerait pas. On... Peut-être, faut voir. Donc euh, là-dessus, <coughs> on, on revient un peu sur Arrondir, qui est. Bon, ça va, ça, on a bientôt fini. Hein. Je pense a... d'ici 20 minutes, on a terminé. Euh... Aron... Donc Arondir et Bronwyn qui... Enfin, Arondir qui déclare enfin ses sentiments à Bronwyn, et les deux vont à l'Est après avoir euh, examiné une vache qui crache du lait noir euh, vers les villages de l'Est où euh, tout le monde a disparu euh, dans... à cause, a priori, d'Orc. Ouais, Moi, je, alors, Moi, je ouais, trouvais ouais. pas mal cet arc, pour le coup. L'arc narratif de et bronwyn euh, même s'ils se séparent à la fin... Euh... Pas mal les espèces d'un sentiment pour le coup, il y avait vraiment une urgence et ça, ça, j'ai un peu senti. Après, il y a toute une partie souterraine où arrondir, essayer de fuir des orques, ça, ça j'ai trouvé pas mal. Il y avait vraiment un côté très inquiétant, très sombre, que je trouvais assez bien réussi. Et ça, pour le coup, ça marchait plutôt bien. Ouais, les orques sont vraiment, euh... bah, il reste dans la continuité un petit peu de ce que Peter Jackson avait fait pour le Seigneur des Anneaux et non pas pour le Hobbit, des orques en prothèse, etc. Et je les trouve vraiment un, limite un peu terrifiant dans leur manière de faire parce que euh, enfin un petit peu plus tard il y a tout ce moment d'attaque en fait où un orc attaque euh, Anwen et, et son fils et ce moment-là euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir une bestiole euh, beaucoup plus puissante on va dire que les orcs qu'on a dans le Seigneur des Anneaux qui font tués en, en un petit coup d'épée on va dire là il a il est transpercé trois fois et puis il se tient encore debout il est ouais, limite pendu il est toujours en train de se battre enfin c'est les orques sont très très bien faits, je trouve. Le design est vraiment un truc intéressant. Faut Après, moi, je disais tout à l'heure aussi, hein, c'est que tout ce, tout ce passage-là avec euh, Arondir et Bronwyn, finalement, je l'ai apprécié, puisque parce que ce n'est pas, pas tiré de Tolkien, parce que voilà, je ne m'attends pas à trouver des choses que je connais, euh, et que, ou en tout cas que, qui sont liées à quelque chose que je connais. Euh, C'est bien ce qui me gêne avec Galadriel euh, et, et Elrond et les nains. Euh, là, au moins, euh, ben il voilà, n'y a, 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 a pas d'attente particulière, donc il n'y a pas de déception non plus euh, spécifiquement. Euh, bon, à voir, à voir ce que ça va donner. Il y a, y a un vrai charisme de l'acteur qui joue l'elfe. Euh, bon, le gamin aussi, je trouve que Théo, Théo, ou Théo je sais pas comment on dit. Théo. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose aussi avec cette histoire de, de la dague ou de l'épée, oui. ou qui de l'épée noire là. Bon alors, noire, on ne sait pas d'où elle vient. Elle apparaît au fond d'une grange un peu comme ça. C'est bon, il y a peut-être le... encore un côté. C'est le, le TGCm. Oui, voilà. Non, mais bon là, il y a une explication quand même. C'est une épée qui viendrait des ancêtres euh, noirs. Mais c'est un peu, là encore, c'est un peu trop facile. Euh, après cette histoire qu'elle répond à son sang euh, bon et, et pourquoi, pourquoi lui, quelle est cette épée euh, alors ceux qui ont prétendu, euh, hein, bonjour high Tech, euh, que c'était Gurtang euh, re retrouvé, euh, je pense qu'il faut qu'il relise les bouquins euh, bon, non, voilà il y, chose, euh, il y a quelque chose avec les Nazgûl probablement dans cet arc qui va apparaître c'est intéressant à voir euh, avec épisode, les épisodes suivants en mon sens. Alors du coup, donc voilà, on a, on a la fin de la bataille, enfin la... la fin de la, la baston entre Brenouin et, et l'or le... et que qu'elle décapite. Bah... J'ai adoré a... ce passé Et après, moi j'ai trouvé, en effet, j'ai trouvé que les orques étaient très très forts pour le coup. Enfin que l'orc était fort, beaucoup plus fort que dans un orc Jacksonien. Et ça là, un peu là tu ressens vraiment une menace. En fait. ouais. Là, tu ressens vraiment qu'il y a une vraie menace et c'est vraiment idéal en fait. Alors par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas mis en scène la mort, euh, la décapitation. Hein, je... Je... On n'est pas Peter Jackson qui découpe euh, du... un orque dans, le premier, dans, la, dans la communauté de l'anneau. Il hein. y a une scène où, euh, je crois, c'est dans la communauté de l'anneau où il euh, y a un orque qui est décapité à l'écran avec du sang noir qui est, il me semble, un hein, Kijiko. Oui. Euh, là, on voit tout de suite déjà qu'au niveau violence, il y a un petit cran en dessous. Euh, Est-ce qu'ils n'ont pas voulu justement. Euh... Bah, éviter qu'un public jeune soit perdu tout de suite euh, par, par ça. Bon, après, euh, voilà, il y a l'aspect euh, combatif de Bronwyn qu'on découvre tout de suite. J'ai pas, tu pas, tu pas beaucoup plus à en dire. C'est une mère de famille qui voit son, son, son gamin menacé. Euh, bon, voilà, elle, elle, elle prend sa décision et puis elle s'impose comme éventuellement chef en disant qu'il faut partir et qu'il faut se barrer. Donc, on a, en résumé. Elle a vraiment la manière où. Euh... Euh... Il lui dit, enfin les villageois, elle revient euh, de la ville qui a été désertée complètement en disant, il faut qu'on se tire, il y a un problème, on va, on va avoir des problèmes. Ils lui disent, t'as pas de preuves, on part pas. Puis là, elle arrive avec sa grosse tête d'orque et tout le monde est boujoué Je trouvais ça très bien amené aussi. Ça m'a beaucoup fait, enfin ça m'a fait sourire la manière. Alors encore c'est un peu facile, vrai, mais. Ouais, c'est facile, mais bon finalement. Euh... Euh, Donc, pour du le coup, coup... arrive avec une tête, euh, une tête décapitée. Effectivement, la preuve, elle est flagrante, mais euh, ouais. elle, est, elle est un peu trop flagrante pour l'histoire. Donc, on finit sur euh, les rien dans le flou, a priori c'est eux. Hein. Euh, et j'aime bien cette image pour dire que voilà, c'est un peu sur ça qu'on va se quitter euh, ce soir. On finit avec trois arcs narratifs, du coup, plus ou moins, enfin quatre arcs narratifs euh, à la fin de ces deux épisodes, plus ou moins terminés. Donc un, elle ronde chez les nains. Euh, avec Elebrimbor, de euh, euh, Arondir qui a disparu et Bronwyn qui euh, fait migrer euh, les humains de, du, du Tirarad vers la tour de garde des elfes. Euh, les enfin en tout cas Nori qui va aider l'étranger à trouver euh, les étoiles et Galadriel et son beau naufragé euh, Albrand qui sont recueillis par les Numéniens. On va peut-être enfin arriver à Numenor. Moi, ça me plairait quand même. De voir Numenor. Ça a l'air, hein, clairement. Euh, oui, oui, on va y arriver. Euh... Après, alors, ceux qui ont regardé euh, sur Prime Video, il euh, y a le teaser pour l'épisode pour suivant. Je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Hein, ça ne m'étonnerait pas que, euh, que le, le teaser de l'épisode 3 soit, soit sorti sur YouTube maintenant. Ouais. Donc euh, oui, pour ceux qui veulent aller le voir, je pense qu'il est tout à fait trouvable. Mais euh, oui, effectivement, Numenor approche. Donc voilà, donc moi je suis plutôt intéressé par la suite, enfin j'ai quand même un bon intérêt à, à attendre l'épisode de, de, de vendredi prochain, euh, à voir les autres épisodes et voir comment ils vont, ils vont se débrouiller. Et en effet, moi les deux arcs qui m'ont le plus intéressé ça reste enfin euh, les arcs qui m'ont le plus intéressé ça reste quand même arrondir, Bronwyn euh, Et je mettrai quand même Elrond et avant, euh, avant, avant les nains avant l'Airfoot. J'aime beaucoup le foot, mais j'ai préféré les moments Kazato. Oui, je pense que je partage mon avis là-dessus. C'est terrible, hein, parce que là, on est trois... Euh... Normalement, on est quand même, entre guillemets, spécialistes de Tolkien. Euh, on est quand même en train de dire que sur une série adaptée de, de Tolkien, qui nous a le plus... Euh... Bah, disons, plus euh, qui séduit du... en haleine, c'est tout ce qui ne concerne pas Tolkien. Donc, il y a quand même un vrai problème. On est d'accord Et... Il y a, plus, il y a que quelque chose qui dans le. Dans le la façon dont la série a été pensée et créée, euh, qui manque son but. Enfin... Bah l'objectif c'est de dire qu'on a... Enfin, l'objectif. Le propos de la série, c'est de dire qu'on vous ramène en terre du milieu, mais dans une terre du milieu avec une vision différente et d'autres personnages, mais des personnages que vous connaissez. Le truc c'est que les personnages qu'on connaît, on connaît déjà leur destin. Donc en soi il n'est pas très intéressant. Bah, de ouais. toute façon, oui, effectivement, là il n'y a, a pas de surprise, on sait où on va, mais. mais je trouve euh... quand même qu'on qu oui, qu se perd, quoi. Oui, bah oui, c'est très, très dommageable. Elle rondait bien. Allez, voilà. On, on peut dire ça dans, pour le Elle légendaire. Hein. Elle rondait bien. Non, mais certes, il y, y a des bons points euh, sur les, sur les euh, axes narratifs euh, vraiment adaptés de Tolkien. Mais, mais quand on fait le, le, le poids entre, les, entre toutes, entre, entre les deux bah on a, la, on a plus l'impression que ce qui est intéressant ça va être le, le reste quoi. Mm -hmm. et, et c'est problématique à mon sens parce que bah, les gens vont, vont prendre pour acquis euh, bah, des axes narratifs euh, sur Galadriel sur Elrond, sur, euh, sur les nains voire même en partie sur les hobbits mais mais mettons-les de côté alors que finalement bah on en est euh, on est très très loin quoi bon après c'est aussi notre rôle de faire la part des choses et de l'expliquer aux gens mais on voilà comme on le dit dans le chat je les spécial... pense que le... les spécialistes Pardon, sont pas la cible. Deux... non les spécialistes sont pas la cible mais oui. sur deux épisodes euh, ça manque clairement euh, bah, ça manque clairement du du but principal c'est à savoir faire découvrir le monde de Tolkien on le savait en voyant les les trailers je... Je, je dis pas le contraire, mais, mais je pensais pas à ce point. Si tu veux. Enfin, voilà, en ce qui me concerne. Personnellement, je me dis toujours que bon, les premiers épisodes d'une série, c'est toujours ceux où tu plantes le décor, ça met du temps à se passer. Là, en plus, il s'est passé plein de choses en deux épisodes. Donc, je pense qu'à partir du prochain épisode déjà, si on commence à voir nous, Ménor, etc., on va commencer à planter un peu plus le cadre. Donc, euh, peut-être qu'on va réussir à se rattacher un petit peu plus euh, à la matière, euh, donc au, au bouquin. Peut-être un petit peu plus qu'avant, et encore hein, Galadriel à Nouménor, c'est un peu. Comment dire Pas forcément très exact, mais euh, bon, il faut voir ce qu'ils vont faire sur les prochains épisodes, parce que d'ici la fin de la saison 1, déjà, on pourra dire est-ce que effectivement ils ont bien fait leur choix au niveau des scénarios de... ou pas, en fait. Je pense mais... qu'en effet, il faudra mais... dresser un bilan à la fin pour dire. Déjà à partir dans l'idée que bah, on n'est déjà plus dans les, dans les cordes de, de l'œuvre de Tolkien, quoi. C'est simplement ça aussi. Il faut dès, dès le premier épisode, on a vu que ça s'en éloignait drastiquement. Alors, est-ce que euh, est-ce qu'on continue de, de, de critiquer vis-à-vis -vis de Tolkien ou est-ce qu'on critique vis-à-vis -vis de la trame narrative qui est maintenant celle de, de la série C'est compliqué comme, euh, position, comme, ouais. euh, comme position. Alors, euh, il faudra qu'on en discute avec nos collègues de la garde de nuit quand on fera un Twitch ensemble. C'est prévu. Euh, parce qu'eux ont, on ont eu le euh, oui. même problème l'année la, de la sortie de, de, de. la saison 6 du coup, de, oui. et, et suivante de, de Game of Thrones, où il n'y avait, avait plus de support textuel. quoi. Bon. Donc à voir la semaine prochaine ce qu'on en dira. Donc, Je pense qu'il y a toujours moyen de critiquer le support textuel, mais pas d'un point de vue chronologique, ça c'est sûr. Parce bah que ça, ça, semble, on... ça, ça semble avoir moins d'importance, en tout cas, par rapport au, aux axes narratifs. Voilà. Oui, en voilà, c'est ça. En gros, l'axe narratif va, va avoir une primauté sur euh, est-ce que l'histoire est bien racontée plutôt que, est ce qu'elle ressemble à ce qu'on devrait s'y attendre. Je pense que voilà, ça, ça va être ça l'enjeu. Euh, et peut-être retrouver d'autres points de détail qui nous feront. Euh, vont dire de plaisir ou pas, hein, c'est ça, ça la question. On ne dit pas de ne pas aller regarder la série, soyons clairs, hein, ça fait toujours plaisir que les gens viennent nous voir en nous disant voilà on a vu la série, ça nous permettra d'aller au livre, ça nous permettra enfin ça vous permettra d'aller au, au, au récit de Tolkien euh, tel qu'il les a écrits. C'est un peu l'objectif que nous on, on bouge. Et Bergelmire qui revient juste pour la fin. Yes <laughs> voilà. Donc euh, Désolé, il euh, y a l'orage, donc euh, ouais. ça a tout coupé, tout lâché. Je pensais pas revenir honnêtement, mais je, juste <laughs> pour, je suis là pour la conclusion. Pour, pour la conclusion. On va dire au revoir de hein, toute façon. Ouais. Donc, euh, nous vous souhaitons euh, une bonne soirée et une bonne nuit. Merci à vous, à vous trois de m'avoir accompagné pour ce soir, en espérant que la semaine prochaine ça se fasse sans, euh, avec moins de difficultés. Euh, je ne serai pas la semaine prochaine, ça sera Druss et Arena qui prendront le, le host. Euh, et pour l'épisode 3. Et puis on se retrouvera plus tard pour les épisodes suivants. En tout ouais, cas, juste pour préciser, donc effectivement, il est prévu parce qu'il y a quelqu'un qui demande dans le chat, euh, il est prévu qu'on fasse euh, un after sur sur les épisodes. Alors a priori les samedis, mais euh, bah, on a des vies donc ça va un peu dépendre de, des aléas. Euh, donc samedi, dimanche, peut-être même pourquoi pas lundi euh, suivant, enfin à un moment ou un autre entre les deux épisodes consécutifs, on fera un after pour pour débriefer surtout que euh, samedi oui. Arena et moi on est à Ploie sur le festival Terres de l'Unique donc on sera Et, euh, et moi je bosse euh, aussi à un moment donc euh, voilà. Ah, donc, mais euh, voilà, soyez euh, soyez à l'affût sur les réseaux sociaux sur Twitch euh, de de savoir quand est-ce qu'on fait ce live, on le fera et même si on en loupe un, et eh bien on en fera un plus long la fois d'après ou euh, enfin, on trouvera un moyen. Voilà. Alors merci euh, à, tout à tous. Films, hein, ce sera disponible en diffusion sur YouTube donc voilà ce qui loupe c'est pas pas dramatique tous nos liens de tous nos liens sont dans seront sur le, le... mercredi okay. donc seront sur la fin de live donc vous aurez notre discord notre facebook notre instagram et notre twitter ainsi et notre site la... internet et notre site internet évidemment surtout le site internet où il y aura toute l'encyclopédie avec vraiment une avec des essais des... une galerie d'art avec vraiment beaucoup beaucoup de choses que vous pouvez aller euh, que vous pouvez aller visiter euh, ah, et Yoda d'abord nous fait dire que le mercredi ils ont leur Twitch House of the Dragon. On regardera ça nous aussi avec grand plaisir. Euh, donc euh, on vous invite grandement à nous retrouver. Vous pouvez aussi nous retrouver en festival et en salon. On sera euh, notamment en Bretagne avec Arena pour les, pour les Terres de l'Unique. Euh, on sera à Troll et Légendes On sera au Salon du Fantastique. Voilà, en tout cas des choses qui sont prévues de notre côté avec la série et hors de la série évidemment, parce qu'on ne fait pas que ça. Euh, donc voilà. Vous donc on des parutions hein Ah oui, euh, non, j'ai pas parlé. Évidemment, cette année l'année prochaine sont des énormes parutions Tolkieniennes On a eu du coup le Silmarillion, le tome 1, 2 et 3 euh, de la Terre de... Enfin, de la du Seigneur des Anneaux qui ont été réédités, c'est les éditions Christian Bourgois euh, dans des formats brochés. On va avoir euh, les histoires de la Terre du Milieu. On va avoir le volume 12, si je me trompe pas. On va avoir un ah, Non, non, non. Le 9, le 9 donc, pardon. On va avoir non, le, non le 9, il est reporté. Non, pour ah, l'instant, dans les non, parus, non. il y a donc une réédition du ciel d'Anneau et du Silmarion qui sont parus avant hier euh, au format brochet, donc qui on vous invite à les découvrir. Il y aura fin septembre les étymologies et du conte de fées qui paraîtront. On non, aura attends. ensuite la traduction révisée des contes et légendes inachevées euh, début octobre, en même temps que la carte du Beleriand donc qui est la troisième carte. Euh, qui suit les deux qui ont paru au printemps euh, et on aura enfin fin novembre euh, les peintures et aquarelles de Tolkien qui ressortent après des années des années de rupture et l'édition du centenaire des lettres du Père Noël toujours en novembre pour le reste ce sera l'année prochaine donc on en reparlera probablement avant donc voilà donc vous pouvez retrouver évidemment tout ça sur notre site on est on vous accueille aussi sur notre Discord retrouvez nous euh, sur des événements live on, sur nos réseaux sociaux ça a été un plaisir pour moi. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, Au revoir. À bientôt.